Sinon, le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier. Si vous souhaitez en tout cas intervenir dans cette émission, le 00224-657-3913. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Depuis quelques années, la toison brûle entre lui et Celcom, Guinée, SA, et l'âge Sidi B, plus connu sous le nom de Lai Wasaba, a participé donc comme consultant à l'installation de la société de téléphonie en Guinée. C'est là en vertu donc d'un protocole signé entre les deux parties, évidemment. Nous essayons de comprendre ce matin. Leur entente donc a volé en éclats plus tard quand il a fallu donc payer, et c'est par à M. Sidi B, 3% dont le feuilleton donc perdure devant les tribunaux du pays. Quelle est la vérité de Celcom Guinée dans cette affaire? Nous essayons de comprendre à travers son avocat, Maître Tal, avocat de Celcom Guinée, sera avec nous dans cette émission ce matin. D'autres sujets évidemment viendront compléter ceci pour votre plaisir. Les GG sur vous avec Daouda Mohamed Camara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, mon cher Jacques Léoualino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Iban Bantankoba. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tout le monde. Bonjour mon cher Antoine Kourouma. Oui, bonjour Lamine. Bonjour Diba Minimono, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Le président qui prête serment, pardon, mon cher Jacques Léoualino. Donc ça, ce vendredi, hein, c'est bien cela, on nous apprend. Oui, c'est ce vendredi qu'il devrait prêter serment. Ouais. Les préparatifs du côté de la Cour suprême démarrent aujourd'hui. Mm-hmm. Je crois que c'est dans la suite logique de ce qui a été entamé avec la publication de la charte, puisque c'est indiqué clairement dedans que le président devrait prêter serment. Je crois que c'est seulement à l'issue de cela qu'il pourrait prendre d'autres actions qui sont attendues, notamment la nomination du Premier ministre, la formation du gouvernement, et puis probablement recevoir toutes les propositions nécessaires en vue de la composition du Conseil national de la transition. Mmh. On peut déjà bien voir que la transition est en train de se mettre en place. Parce que tant qu'il n'est pas installé dans ses fonctions, même s'il a déjà pris beaucoup d'actes avec la dernière ordonnance qui promulgue, n'est-ce pas, la loi de finances rectificatives, on peut bien penser que ce sera finalement à partir du vendredi que il va commencer ses activités. Et l'autre chose, c'est que ça intervient la veille du 2 octobre. Je crois que c'est bien choisi. Nous aurons un chef d'État qui pourra tenir un discours à l'endroit de la nation, je l'espère bien. Ça va être le tout premier discours. Parce que tout ce qu'on a entendu jusque-là, ce sont des déclarations, des communiqués. Mais là, un discours, une adresse à la nation, comme on a l'habitude de l'avoir à l'occasion des grandes fêtes nationales. Je me dis que c'est bien pensé de la part de ceux qui ont organiser, n'est-ce pas, cette cérémonie de prestations de serment. Ouais. Ce discours, il est attendu. Et puis d'autres actes aussi. Mmh. Parce que souvent, à l'occasion de fêtes, soit les fêtes de fin d'année ou la fête nationale d'indépendance, on a aussi coutume d'entendre parfois de recevoir des actes de grâce. Donc le président de la République qui gracie quelques prisonniers, et tout ceci entre en ligne de compte. Nous sommes en train de dire comme ça que ça pourrait intervenir dans ce discours qui est très attendu, et un discours qui pourrait aussi donner des grandes orientations sur cette transition que nous entamons maintenant. Justement, voilà, c'est bien dit. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, on a suivi hier ce communiqué dans lequel on annonçait la prestation de serment ce vendredi devant la Cour suprême. Il y a même des chefs d'État qui seraient attendus à Conakry. Et on a envie de savoir, moi j'étais curieux de savoir qui a été invité à prendre part à cette cérémonie. Des noms, on aurait pu nous en citer par exemple hier, des noms de chefs d'État invités à prendre part à la cérémonie. On nous a maintenu dans le suspense en disant que les invités qui viendront vont être d'abord accueillis au niveau du Palais du Peuple, ensuite ils seront conduits. Après, bien sûr, ils vont passer le test Covid. Ils seront conduits au Palais des Nations pour assister à la cérémonie. C'est bien beau tout ça et j'apprécie vraiment la démarche en vue de cette cérémonie. Mais ce serait bien que nous ayons toutes les informations autour de cette prestation de serment, surtout par rapport à nos hôtes qui doivent venir. Parce que si, par exemple, on a beaucoup d'invités, notamment le chef d'État qui vient à Conakry, cela viendrait à dire que
Doumbouya est adoubé par des chefs d'État africains. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement en ce qui concerne, je vais parler du contenu du texte, mon cher Antoine. Lequel des textes? La prestation discours. De serment. Oui, le discours. Et parce qu'après la prestation de serment, nous apprenons que dans la soirée, il pourrait faire une adresse à la nation par rapport au 2 octobre. D'accord. Et donc forcément, il y a des surprises auxquelles on va s'attendre par rapport au discours qui va prononcer l'adresse à la nation. Mm-hmm. Il se peut qu'il discours ait... programme. Oui, ouais. Pas programme forcément, mais okay. Une adresse à la nation pour peut-être indiquer des grandes orientations par rapport à certaines choses, mais surtout des grâces présidentielles, une grâce présidentielle pourquoi pas, bien. Accordée à des prisonniers pour, à des prisonniers qui sont en détention depuis des années, d'aucuns pensent à A ou B aujourd'hui, à qui on pourrait peut-être accorder cette grâce-là, A ou B et bien d'autres qui sont en détention, à qui on pourrait accorder cette grâce présidentielle. Et je me dis que ce serait le premier discours, la première adresse à la nation de Doumbouya depuis sa prise de fonction. Forcément, il faut qu'il y ait des points forts dans ce discours. Bien. On s'attend à ce que le nouveau président de la République, le nouveau président de la transition, fasse des annonces fortes. Ouais. Oui, les chefs de l'État, mais surtout président de la transition, parce que c'est ce qu'on a désormais précisé. On ne dit plus président de la République, mais président de la transition. Bien. Donc, on attend un discours fort qui va bien sûr être cohérent avec tous les actes qu'il a eu à poser depuis sa prise de fonction, notamment les recueillements au niveau des cimetières et autres. On espère que ce discours-là va répondre aux attentes des Guinéens. Antoine Kourouma avec nous, évidemment. Moussa Moïse, là, nous arrivons. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il va prêter serment, le président de la transition. Oui. L'article 47 de la charte de la transition mentionne bien un peu le discours qu'il va tenir, la formule. Moi, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter, de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire. Je m'engage solennellement et sur mon honneur avec les organes de la transition. Bien, on a compris. Pour la réalisation. Merci. Et la préservation de... Ouais. Non, c'est pas que la charte, c'est dans la charte qu'on explique la forme de la prestation de serment du président de la transition. Vous demandiez à Antoine, c'est quoi le texte, qu'est-ce qui va être dit, donc c'est cela. C'est comme ce que le président Alpha Condé a fait durant ses trois mandats, donc c'est à peu près la même chose. Donc lui, sa prestation de serment va consister à cela. Bien, merci beaucoup. Allez-y. Et voilà, sauf que lui, et c'est vrai, il parle de l'article 47, sauf que lui, il va prêter serment aux différences devant le président... devant la Cour suprême, en lieu place de la Cour constitutionnelle, puisque nous sommes dans une transition. Et je pense qu'il est aujourd'hui en phase avec l'esprit de la charte de la transition. Pour le moment, il y a un vide, constitutionnel. Donc la charte fait office de la loi fondamentale. Et par rapport à tous les actes qu'il est en train de poser aujourd'hui, on a l'impression quand même que c'est un homme qui est bien entouré. Et il sait où il est en train de partir. Donc cette prestation de serment est effectivement cadrée par rapport à la charte de la transition. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est vrai que est-ce que des chefs d'État africains vont rallier Conakry ? Je ne pense pas trop. Je ne pense pas trop parce que n'oubliez pas que ça peut être quand même une rencontre un peu. Je vous dis que ça, c'est leur problème. Là, oui. Je suis en train de dire, est-ce que les chefs d'État africains vont rallier Conakry ? Je ne crois pas, parce que déjà, ils sont aujourd'hui vent debout par rapport au coup d'État sur le continent. On a vu cette sortie de la CDAO qui suspendait la guillée des instances de la CDAO, même si moi, je l'avais dit à un bon moment que c'était quand même pas en harmonie avec la charte, par rapport un peu à cette charte africaine des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance, même si eux-mêmes, ils avaient systématiquement violé même le protocole de la CDAO par rapport un peu aux questions d'alternance à la tête des pays africains. Maintenant, moi, je ne crois pas qu'ils vont venir, parce que vouloir venir, c'est être en contradiction avec la démarche déjà qu'ils ont su mentionner. Maintenant, la cérémonie, ça peut prendre une tournure un peu sobre, parce qu'il y a Covid-19 dans le pays, et eux-mêmes, ils ont dit qu'il faudrait quand même que pour tout regroupement, tenir compte un peu de tous ces aspects. Je pense qu'il ne va pas être en contradiction avec cette sortie-là. Maintenant, ce que moi je salue, au-delà de la prestation du serment, il a pris un acte hier quand même qu'il faut saluer. Ouais. C'est parce qu'on dit à l'article 38 qu'il dispose du pouvoir réglementaire et il peut prendre des ordonnances. Vu qu'il n'y a pas de CNT pour le moment, donc c'est à travers des ordonnances
qu'on peut prendre des actes réglementaires. Donc hier, effectivement, il a prorogé un peu la mission du Conseil supérieur de la magistrature. N'oubliez pas que le Conseil supérieur de la magistrature, dans la constitution de 2010, les magistrats étaient nommés par décret du chef de l'État, après consultation du ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Sauf que dans la constitution de 2020, ils ont foncièrement changé l'article en donnant la compétence au chef de l'État de nommer les magistrats. Donc finalement, le Conseil supérieur de la magistrature perdait son indépendance parce que de facto, le chef de l'État avait la même mise sur les magistrats. Donc lui, il revient, disons un peu je crois sur... Que le changement fondamental par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, c'est désormais placé sous l'autorité du premier président de la Cour suprême. Alors oui. qu'avant, oui. c'était placé sous l'autorité du chef de l'État. Voilà, justement, du chef de l'État. Je pense que c'est un acte qu'il faut saluer. Et d'ailleurs, moi, je m'attends certainement... Et généralement, ce sont les mêmes expressions. Mais qu'est-ce qu'il faudrait éviter ici? La différence cette fois-ci, c'est une junte, mon cher. Oui, on a renversement vécu ça. De pouvoir. Oui. On a vécu ça aussi. On a connu Dadis. Non, mais il n'a pas prêté serment, lui. Oui, mais Dadis. Il s'était engagé. Donc, oui. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il dit en bas, il ne savait pas. Les grandes gueules. Ça l'a surpris. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est de dire une chose et faire son contraire. Ouais. C'est-à-dire que nous avons vécu ici, par exemple, l'ex-président Alpha Condé qui a prêté serment. Mais et quand vous voyez la façon dont les choses se sont produites, aucun de ces mots n'ont été respectés. C'est-à-dire, c'est comme si les mots ne venaient pas du cœur. Alors moi, je pense que l'importance de ce discours, c'est de savoir que cela, ce n'est pas juste des mots, mais c'est un engagement vis-à-vis de l'ensemble de la nation. Il faudrait l'assumer, il faudrait pouvoir à la fin faire face au peuple pour les grandes gueules. J'ai dit à l'entame, c'est-à-dire lors de cette prestation de serment, que voilà maintenant les résultats. Je me suis en tout cas mis sur la même ligne, c'est-à-dire en commun accord avec les paroles qui ont été dites dès le premier tour. Maintenant, concernant ceux qui vont venir, les invités, je ne pense pas qu'il y a trop d'importance à cela, parce que ce qui pourrait peut-être se dire, si on voit peut-être quelques chefs de l'État, on pourrait estimer qu'ils soutiennent donc le coup d'État, la junte, mais ce serait un peu quand même de facto, on ne croit pas qu'il y aura de déplacement, parce que par principe, vous savez que toutes ces organisations-là condamnent, voilà. Si on voit Guita ici, c'est compréhensible, hein, parce que voilà, je veux dire, c'est la même troupe. Les grandes gueules. Ce que je dis, est-ce que venir assister à cela ne se serait pas se soustraire donc de l'organisation, par exemple, de la CEDEAO ou de l'Union africaine? C'est une question qui se pose, mais Guita, lui, il peut venir, parce que si ma mémoire est bonne, le Mali est pour l'instant suspendu des activités de la CEDEAO. Justement, ce que je dis, peut-être on pourrait espérer voir aussi le général Ambalo, qui a toujours été quelque peu controversé vis-à-vis donc de sa position sur cette plateforme de la CEDEAO. Mais bon, je ne crois pas que voilà les chefs de l'État vont se prêter à cela. Même si vous savez que Alassane Ouattara a sous-entendu que s'il y a eu coup d'État, c'est parce que Alpha Condé n'a pas respecté les règles de la bonne gouvernance. Bien. Allez, nous restons toujours dans le même siège avec vous, mon cher Tamba. Que peut-on s'attendre de plus en ce qui concerne évidemment cet exercice? Non, je veux quand même commencer par dire les chefs d'État, qu'ils viennent pas, il va prêter serment demain. Ouais. De toute façon, la CEDEAO nous a déjà sanctionnés et puis ils ont dit 6 mois, ils n'ont qu'à venir, c'est bon. S'ils ne viennent pas, c'est bon. De toute façon, on s'en fout. La prestation de serment. Ben voilà. Mais je le redis encore, on s'en fout. Bien, vas-y. Ça c'est tiquiné, ça. Non, voilà. Non, absolument. Ça, c'est une continuez chose. Comme ça. C'est pas du tout important qu'il quand soit quand on là. Va interdire même, je veux dire, le ciel, vous allez comprendre ce que ça veut mais dire. On a vous un êtes ciel, comme hein. un peu Cuba. Oui, on je sais que c'est le ciel. Si vous avez un ciel, nous. Mais oui, mais avant de venir ici, on traverse le Sénégal, la Mauritanie, entre autres. Quand on va dire que les avions ne doivent pas passer par là, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Continuez à vous dire comme ça. On s'en fout. Lamine, c'est pas possible. Lamine, on s'en mais fout. Tu m'étonnes, tu m'attends pas. Mais on s'en fout. Hein. On s'en fout. D'ailleurs, mon Dieu. Une troisième fois. Ah, la Guinée. Une troisième fois, on s'en fout. Ouais. D'ailleurs, continuez. Ben oui, on s'en fout. L'ONU, ouais. Lamine. Ouais. On a suivi la déclaration de l'ONU, ouais. qui s'est alignée, ce qu'on comprend parfaitement, qui s'est alignée sur les positions de la CEDEAO, de l'Union africaine. Mais c'est la même ONU.
il y a quelques jours, c'était au 28 septembre à la faveur de... Les contextes diffèrent, Tamba. Non, mais je veux terminer. Voilà. Tu vas voir un peu que la question... Cas. Que la question des chefs d'État n'est plus aussi essentielle dans ce débat-là. C'est fini. Ce qui est arrivé là. Laissez passer cela, mon cher Tamba. Ça peut donner des idées aussi à d'autres nations. C'est très important ce que je te dis. Qu'ils aient des idées. La Côte d'Ivoire est là à côté. Qu'ils aient des idées. Ouattara, il tremble dans tous les sens. Ouattara, ce serait même avec beaucoup de bonheur. Bon, les grands gars. Mais c'est pas vrai. Bon. Qu'est-ce qu'il arrive? Bon, non, mais je continue. Attention, j'espère que t'es pas passé. Non, Tamba. Ça va? Passé où? Ça sert à rien du tout. Mais... Antoine, non, mais... rassure-moi, il n'est pas... Sous le palmier, vous voulez? Oui, c'est ça. Non, mais là, non. Ça fait rien à un vrai forestier. Voilà. Donc, non, pour aller plus loin, comme souvent. Bon, maintenant, pour terminer ce que je disais sur la question des chefs d'État qui seraient d'accord pour venir assister. D'ailleurs, je n'ai pas dit bonjour. Hein, bonjour à ceux qui nous écoutent. Là, donc, c'est pas bon. Maintenant, je c'est vais terminer. Pas bon ce matin. Non, je là, terminer, c'est pas bon. Mais je termine Tamba, la mine. S'il te plaît. La mine, permet. Tu peux apporter de l'eau, s'il te plaît, mon cher Amadou, s'il te plaît. Voilà. On revient à toi dans un instant, s'il te plaît. Hein, le temps de te calmer. Allez-y, Daouda Mohamed. Le temps pour toi de retrouver ta lucidité. S'il te plaît, parce que là, c'est pas bon. Là. C'est pas du tout bon. Là. Allez-y, je ne le reconnais pas, Tamba. Je ne le reconnais pas ce matin. Allez-y, Daouda. Voilà. Moi, je disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les organismes montrent une position défavorable à ce qui se passe en Guinée. Et il y a quand même certains présidents, en tout cas dans les rumeurs, dont on apprend la disponibilité à venir prendre part à cette prestation de serment du colonel Doumbouya, notamment la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali. Et on l'apprend dans les rumeurs jusqu'à ce que ça s'avère. De l'autre côté, aujourd'hui, c'est vrai qu'on veuille rester comme Tamba est en train de le dire, on s'en fout, mais on ne peut pas toujours, on ne peut pas s'en foutre. On ne peut pas s'en foutre. Les grandes gueules. La Guinée n'est pas, c'est vrai qu'on dit aujourd'hui la Guinée est souveraine, la Guinée est indépendante depuis 1958, mais nous vivons avec les autres pays. Et nos activités sont entremêlées. On ne peut pas dire qu'on s'en fout carrément de tout. C'est vrai qu'on allez, Daouda, on a compris, merci. On a tout, mais il faut aujourd'hui engager. La propager dans tous les sens. Hein, parce que je vois les jeunes toi qui se défoulent aussi. Il a créé le mot on s'en fout. Allez-y, on s'en va alors, là-bas aussi, comme vous voulez. Alors, je disais, aujourd'hui, la prestation de serment, c'est bien essentiel. Oui. Mais il faut déjà... Pendant que les sanctions sont sur le pays, il faut déjà engager les démarches auprès de ces mêmes institutions, auprès des pays amis, pour voir un peu comment on peut alléger les sanctions. Parce que les sanctions ne peuvent pas tout de suite être élevées, mais comment on peut alléger? On a vu avec le cas malien, par exemple. Il y a eu des sanctions qui ont été prises, mais à un moment donné, il y a eu un allègement un peu pour permettre à la population de survivre. La Guinée peut être dans la même situation. Six mois, c'est dit, mais je le disais la dernière fois, et même celui qui a écrit six mois, il rigolait en écrivant parce qu'il savait que ce n'est pas réaliste. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas rester dans le pays pour dire qu'on ne bouge pas. Il faut bouger. Ouais. Il faut aller vers ces organismes. Il faut aller vers les pays amis parce que, Alpha, ce qu'on a dit, c'est un colis qui est c'est un colis qu'ils ont. C'est une patate chaude aujourd'hui. Un colis embarrassant. Ouais. Il faut voir dans quelle mesure sa vie en Guinée peut permettre de ramener la confiance entre la Guinée et les autres pays, mais aussi est-ce que s'il a besoin de se déplacer, comment cela peut être rendu possible? Ce sont des éléments aujourd'hui sur lesquels il faut réfléchir, mais aller encore dans le travail. Quand Djiba dit, par exemple, les magistrats qui se sont rendus coupables de ceci ou de cela doivent aujourd'hui on doit se débarrasser d'eux, on doit les mettre à la retraite ou ceci. Moi, je crois que ce n'est pas ça la solution. Ouais. Tous ceux qui se sont rendus coupables des crimes de sang, des crimes économiques et autres, s'ils sont connus, on ne les met pas à la retraite, mais on les contraint à travers eux, on contraint d'autres Guinéens à travailler dans le sens
Donc, punir, passer par la justice. Passer par la justice. Je suis parfaitement d'accord. Il ne faut pas passer les ponts là-dessus. Je suis parfaitement d'accord. Il faut aller. Il faut réveiller cet élément-là. On aborde les choses dans le même sens. Lorsque je dis qu'il faille les écarter, ils vont passer devant le conseil disciplinaire et à partir de cet instant-là, les sanctions qui s'imposent vont tomber. Je suis d'accord avec vous sur la question. Parce que ce ne sont pas qu'eux. Hein. Il y a les autres, il y a les ministres, il y a les directeurs qui sont passés. On ne peut pas les mettre à la poubelle comme ça. Ouais. Parce que leur poubelle va beaucoup bien sentir. Il faut, si on doit les mettre à la poubelle, il faut les mettre dans la poubelle pour que ça ait l'odeur de la vraie poubelle. Bien. Il faut aujourd'hui aller vers les vrais audits. Ce que chacun a fait, connaît les éléments. Vous avez eu ceci. Comment vous l'avez utilisé? Pourquoi il y a eu cet excédent? Pourquoi il y a eu ce manquant? Il faut qu'on le sache. On ne le rejette pas. Il faut que ce que chacun a illégalement pris à la Guinée, mais qu'il lui rende à la Guinée. Voilà, Daouda Mohamed Camara, évidemment, justice, c'est ce que nous demandons ce matin. Allez-y, mon cher Tamba. Et puis, donc, ce que j'étais en train de dire, merci pour ce retour. Ouais. Ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est vrai, il y a eu ces annonces à la base de la CEDEAO, de l'Union africaine, d'autres États aussi, qui se sont alignés sur la position de l'instance sous-régionale qui nous est la plus proche, c'est-à-dire la CEDEAO. Ouais. D'autres chefs d'État se sont exprimés sur la question, on a pu s'en apercevoir. Mais c'est l'ONU. L'ONU qui avait appelé à un retour rapide et sans condition à l'ordre constitutionnel et à la libération de M. Alpha Condé, c'est cette même ONU qui demande à la Guinée, à travers le CNRD, de faire de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille pour la transition qui va s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que il y a une personne qui dit « je veux pas de toi », mais après qui revient vers toi pour te dire « d'ailleurs, bon, pour ta transition là, on veut que tu travailles plus sur ça ». Ça veut dire que les lignes bougent. Mais c'est le langage diplomatique aussi, mon cher. Rabine, mais c'est assez clair. Hein. Oui. Ça, c'est une volonté, c'est une orientation assez claire qui s'ouvre. Parce que effectivement, si la lutte contre l'impunité revient au cœur de l'action du CNRD, ça ouvre des voies à une collaboration avec les autres acteurs, notamment ceux qui sont en dehors du territoire africain. Ça, c'est donc une réalité. Il faut simplement se le dire. Toutes ces personnes, toutes ces instances sont conscientes d'un principe important en matière démocratique, c'est le droit à l'autodétermination des peuples. Les grandes gueules. Lorsque le plus important pour le CNRD, et le CNRD le sait, c'est pourquoi les opérations de charme n'ont pas cessé jusqu'à maintenant et elles ne sont pas encore terminées, jusque-là, parce qu'on a compris que l'opinion qui vaille, qui doit tenir, évidemment, c'est bien l'opinion les nationale. C'est là-dessus que l'action est en train de se faire. Les autres la suivront. Les autres suivront. C'est juste une histoire de temps, c'est que quelques temps. Maintenant, il va prêter serment. Moi, je pense, comme ça, je m'attends à au moins trois niveaux de ce discours que l'on va entendre après la prestation de serment. Le premier sera justement un discours pédagogique. Ça sera une partie pédagogique pour expliquer pourquoi nous prenons le pouvoir. Ce serait donc, à mon avis, cela. Le second, ce sera aussi de la fermeté. On a une volonté, mais on affiche une certaine fermeté par rapport à l'atteinte de ces objectifs-là. Oui. Moi, j'écrirai un tel discours, c'est une telle orientation que j'aurais donnée. Et puis enfin, ce serait de la mobilisation. Certes, chacun a son calendrier. Il y a des intérêts individuels qui ne sont pas toujours convergents les uns vis-à-vis des autres, mais il y a un impératif, c'est construire la nation guinéenne. Comment se mettre ensemble pour parvenir à cette action collective qui va nous rendre, à nous tous, une Guinée meilleure au plan du droit, une Guinée meilleure au plan de l'inclusion et de la participation des masses. Tout ça nécessite justement que l'on taise, que l'on mette sous veilleuse nos propres intérêts à un moment, pour mettre la Guinée devant. Et je pense que ça va être un appel qui pourra être entendu lors de ce discours-là. Mais encore une fois, c'est un discours, pardon, et il tranche avec la pratique qu'on avait. Vous évoquiez le cas d'Addis. D'Addis, c'est comme quelqu'un finalement qui s'est réveillé au pouvoir. Et donc, la démarche est forcément différente. Ça reste encore un point à saluer. C'est une démarche d'humilité pour dire... Pour que je puisse agir au nom de la Guinée, j'ai besoin de leviers
de levier notamment qui s'appuie sur la loi. Ouais. Et c'est pourquoi il faut pouvoir prêter serment. Et ça, ça reste effectivement une démarche à saluer. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Allez-y, Antoine, 30 secondes. Juste rappeler en 30 secondes, c'est une question que je pose parce qu'il y a eu des constats qui ont été faits. On a été informé de certaines situations de certains actes que posent des hommes en uniforme. Est-ce qu'il a été demandé aux militaires, notamment aux forces spéciales, de retirer les véhicules des secrétaires généraux et des inspecteurs d'État? Généraux d'État, je ne crois pas du tout, parce qu'officiellement, seuls les ministres étaient habilités à déposer leurs véhicules. Alors, la semaine dernière, je crois que c'était le vendredi, des militaires sont allés à Lambani, au domicile d'un inspecteur d'État, également d'une secrétaire générale au niveau d'un ministère, pour retirer leur véhicule sans qu'on ne sache d'où ils provenaient. Donc il serait important que le CNRD soit précis dans les injonctions qu'on fait. Si on doit retirer des véhicules à des cadres de ce pays qui ont été en fonction, il faut qu'on ait des ordres de mission. Ceux qui viennent doivent avoir des ordres de mission attestant qu'ils sont mandatés par le CNRD. Sauf que les véhicules retirés, on ne sait pas où ils sont partis. Bien. On ne sait pas où on les a envoyés. Il serait important que cela soit appliqué, parce que ça devient n'importe quoi. Les hommes en uniforme, parfois, ça donne à des pratiques, parfois, plus ou moins correctes. Deux ont été radiés déjà. Il serait important qu'on attire l'attention du CNRD pour dire qu'il y a des hommes en uniforme qui s'adonnent à des pratiques malsaines et qui peuvent salir leur action. Merci. Ils vont dans des domiciles d'anciens dignitaires du régime qui déjà sont sur le cuvier, qui déjà sont effrayés par ce qui se passe. Quand ils viennent en uniforme avec des cagoules, parfois effrayés qu'ils sont, ils se sentent obligés de rendre les clés de leur véhicule parce qu'ils se disent que c'est une mission du CNRD, ce qui n'est pas souvent le cas. Il est important qu'on le rappelle. Merci. Allez-y, prestation de serment ce vendredi, hein, mon cher Moussa Moïse. Allez-y. Oui, juste pour dire qu'on peut les effrayer, ça, c'est pas grave. Les grandes gueules. On a longtemps été effrayés aussi. Allez-y. Non, c'est bon. Allez-y. Non. Oui, je parle d'effrayer, mais les biens de l'État, c'est normal qu'ils présentent un ordre. C'est normal qu'ils présentent un ordre de mission. Là, je suis d'accord. Mais ils peuvent être effrayés. Ça, c'est pas un problème à dénoncer. Je trouve tout de même que. Je trouve que nous sommes quand même en train de partir sur ce sur quoi nous sommes à peu près entendus. Au moins, il y a une chose qui reste claire. Vous savez, la grande inquiétude que j'avais, c'était qu'au lendemain de tout le travail qui a été fait par le shadow cabinet du président de la transition, qu'on nous ressorte une charte de la transition qui soit très floue. Qui soit très floue, notamment au niveau des intentions de celui qui tient les rênes de la gouvernance, du président de la transition, c'est-à-dire du colonel Mamadou Doumbouya. Flou autour de ses intentions de rester ou de partir plus tard. Mais pour une fois, le chemin a été balisé, c'est clair. C'est un élément très important à ne pas occulter. Sa volonté de faire la transition, de se faire appeler président de la transition, donc délimité dans le temps et de telle sorte que lui-même, il exprime sa ferme conviction, sa ferme volonté de ne pas se présenter à une quelconque élection, en tout cas celle qui va suivre au lendemain de la fin de la transition. C'est un engagement solennel et je pense que c'est assez déjà clair. Sur les tergiversations, je le fais comparativement aux tergiversations du capitaine Moussa Dadis Camara sur ce qu'il voulait faire ou pas. On n'est pas né militaire, tout le monde se rappelle. Bien entendu, cette tenue, je peux la jeter et ainsi de suite. Donc, je pense que ça, au moins, c'est clair. Ensuite, deuxièmement, vous avez le chronogramme de la transition elle-même. Il est prévu qu'il prête serment. La prestation de serment, c'est pour ce vendredi. Donc, je pense que nous sommes en train d'aller de façon progressive. Il faut se hâter lentement. Parce que, tout simplement, le pays a été enfoncé dans une telle abysse qu'il n'est pas du tout possible de sauter sur des éléments très importants et aller parce qu'on veut vraiment mettre fin à la transition, on veut la tuer rapidement. Dans un délai convenable, certes, mais il ne faut pas sauter les éléments les plus importants. Les éléments, et l'un des éléments les plus importants, à mon avis, ce sont les audits. Qu'il y ait des exemples au nom de la République. Qu'il y ait des exemples pour les autres administrateurs. Je ne dis pas que aucune gouvernance, aucun système même de rupture ne peut mettre toute l'administration guinéenne dehors et amener des Guinéens nouveaux. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont travaillé avec Sékou, qui ont travaillé avec l'ancien Akonté, qui ont travaillé avec Alpha Condé et qui vont travailler aussi avec colonel Mamadou Doumbouya. Ça, c'est clair. Mais pour ceux qui ont été les plus grands budgétivores, c'est-à-dire
les plus grands, les plus, voilà, dont la rapacité dépasse les frontières nationales, qui peuvent être, qui peuvent avoir un brevet en ingénierie du vol pour ces personnes-là, qui sont donc coupables de la mort de plusieurs Guinéens. Il faut les plusieurs Guinéens localiser, notamment du côté de Lambagny. Les femmes qui n'ont pas pu aller, qui n'ont pas pu aller accoucher tranquillement dans un hôpital parce que l'argent a été détourné. Les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école parce que l'école se situe à 10 km parce que l'argent a été bouffé. Donc ces Guinéens-là doivent servir d'exemple au nom de la République. Bien. Il ne faudrait pas, au nom d'une quelconque volonté de ne pas faire une chasse aux sorcières, qu'on ne puisse pas engager des audits sur ces éléments-là. C'est très important. Et au niveau des 518, je pense que nous en parlerons avant la fin de la semaine. Non, c'est pas le travail de Syrie qui sera lu. Non. 518. Ça doit être engagé. Ça peut être engagé maintenant. Faut pas commettre, cette erreur. Ça doit être engagé. Là, Moussa, tu vas droit dans le mur, là. Non, je parlerai après. Je parlerai d'un élément ici. Amine, quand vous êtes un homme de la rupture, vous êtes un homme qui vient contre un système donné, vous ne dites pas, je remets à demain ce qui est la gangrène du pays. La gangrène c'est la corruption. Là, il y a un souci. Amine. Mais pourquoi 518? Mais attends, j'ai cité seulement les 518. Non, mais quand même. Alors, je vous explique quoi, les 518. Ouais. Grande gueule. Les 518, vous savez, quand on dit 518, beaucoup pensent au DAF, aux agents comptables. Ouais. Il y a seulement 30% qui sont dans ce lot-là. L'inspection. Mais les autres, moins. Mais les autres sont dans des fonctions qui n'ont rien à voir avec les finances. Alaoudine, qui est du côté de l'aéroport, qui a l'unité de ciblage. Les 518 ont été dénoncés par le président Alpha Condé lui-même. Je finis. Alors, il est 518, mais il travaille au compte de la douane pour traquer les trafiquants de cocaïne. Mais ça ne veut pas dire que les 518 ne doivent pas se connaître de tout le monde, la mine. Ça, c'est pas caché. Non, mais attends. Voilà, laissez-moi finir. Arrêtez de me faire des crocs en jambes. Comment ça? Laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Les 518, je pense qu'il a été dit beaucoup de choses sur eux et certains ont géré des portefeuilles très importants. Ils ne doivent pas être les enfants chéris de la République. Ouais. La différence entre les bons 518 et les mauvais 518 doit être déterminée par un audit. C'est l'audit qui permettra de démêler le vrai du faux, de faire la différence entre ceux qui n'ont rien touché et ceux qui ont pris. Je pense qu'il ne faut pas du tout voir ça comme une chasse aux sorcières. La différence entre les éléments des 518 sera faite en fonction des audits. Et partout où ils ont été, il faut qu'il y ait des audits approfondis. En fonction de cela, nous saurons ceux qui ont bien géré, ceux qui ne l'ont pas fait. Je ne suis pas pour un regroupement global. On dit c'est 518, on les jette à la porte. Non, mais c'est tout comme. Non, je suis pas contre. Je suis contre cela. Je voudrais que ce soit des audits sérieux qui déterminent. Je suis pas contre. Non, non. Mais la mine, c'est important. On peut pas quand même venir dans ce studio alors que c'est moi celui qui ai volé et qu'on dise mais, puisque vous appartenez tous aux éléments de la mine Gracie, à la porte. Aux éléments. Voilà, c'est pas normal. Il faut un audit pour situer ma responsabilité et déterminer que vous autres, vous êtes innocents. Il a raison, voilà. Tu permets, Moussa, pour cette... Juste une phrase. Okay. Juste une phrase, oui. Voilà, très très longue. Et, alors, vous vous rappelez que il y a le CNRD quand même qui a posé un acte qui, entre guillemets, même si ça n'avait pas été l'intention, il a posé un acte qui affichait, qui a étiqueté les anciens membres du gouvernement. Premièrement, vous ne sortez pas. On va garder vos passeports. Rendez vos véhicules. Faites un compte rendu de votre gestion. En combien de jours? Je crois que ça s'est passé en 72 heures. Jamais vu quand même. C'est le CNRD qui a fait ça. Et rendez vos véhicules à vos secrétaires généraux. Et ils vont assumer l'intérim jusqu'à ce que nous ayons une nouvelle équipe. Ça là, ça sonnait dans l'opinion comme ministre égal à potentiellement voleur de l'économie. Ministre égal potentiellement dilapideur de l'économie. Il faut que la justice soit faite et pour tout le monde. Pour les ministres, pour les 518, pour d'autres cadres, parce qu'il y en a d'autres. On parle de 518, il y a des directeurs qui sont là et ils ne parlent jamais. Tu ne le vois jamais à la télé, les grandes jamais dans une radio. On ne sait même pas qu'il existe, mais il est assis sur un trésor et le mangement se fait tout doucement. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que la lumière touche chacun, que l'audit soit généralisé à tous les services qui ont géré de la manne publique. Et c'est bien, même si sur la forme c'est discutable, c'est bien que la Cour des comptes ait été restaurée. Pour que ceux qui... C'est la terminaison, c'est le complément de la phrase. Maintenant, je termine avec ça, si tu permets, Diba, pour dire tout simplement, dans une république, ceux qui ont volé, ils doivent répondre. Bien. Ceux qui n'ont pas volé, eux, ça doit aussi être su
qu'ils n'ont pas volé. Et c'est seulement au terme d'un audit. Merci voilà. beaucoup. Je veux dire une chose, la Cour des comptes, mais est-ce que une personne qui peut être auditée peut auditer les autres? C'est la question qu'il faut se poser, parce que n'oubliez pas que si on adopte un budget, avant l'adoption, il faut que la Cour des comptes donne son brevet. Ils n'ont pas fait pratiquement ces dernières années. On a dit qu'il y a eu des détournements. La Cour des comptes n'a rien fait. Donc je pense que même celui qui est à la tête de la Cour des comptes aujourd'hui, il y a besoin d'aller vers un changement, parce que même lui aujourd'hui, il est mis à l'index. Maintenant, puisqu'on parle d'audit, moi la question que je me pose aujourd'hui, que ce soit les crimes économiques, les crimes de sang, parce qu'il y a eu beaucoup de morts sur les 10 dernières années, quelle forme voulons-nous donner à la justice? Est-ce qu'il faut instruire les dossiers, faire un procès et condamner les gens, soit une peine pénale ou civile? Est-ce qu'il faut aller vers cela? C'est la question qu'il faut poser, parce qu'elle est très sensible. Mmh. Aujourd'hui, vouloir condamner certains cadres qui quand même qui occupaient l'eau du pavé. J'ai pas fini. Est-ce qu'il faut aller vers une sanction privative de liberté, sachant que la plupart d'entre eux, vous avez beaucoup de citoyens qui s'identifient à eux? Est-ce que ça ne peut pas être un problème au lieu que ça soit une solution? Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui font des propositions. Au lieu d'aller vers une sanction pénale, on peut faire une justice transitionnelle. C'est-à-dire, je finis, ceux qui ont détourné des biens, vous nous dites, oui, on fait un audit, nous avons détourné, on saisit vos biens, et vous rétrocédez cela, et on se limite là. Ou tout simplement, ceux qui sont morts, vous aimez d'amnistier les familles des victimes. Bien. On peut aller vers peut-être ces équations-là, parce que sur l'autre côté aussi, ça peut être un problème dans la société. L'audit, c'est pourquoi? C'est pour que d'abord, ceux qui ont pris le pouvoir le 5 septembre disent clairement ce qu'ils ont trouvé, les vols qu'ils ont trouvés, s'il y en a eu, les états de nos finances. C'est un état des lieux, c'est d'abord ça. Et on ne peut pas remettre ça à un gouvernement qui va venir. Ça, c'est au CNRD de faire ça. Et puis l'autre chose. Est-ce que c'est la mission du CNRD? Non, mais ça doit l'être. Je vais terminer si vous permettez. Le CNRD, il y a deux éléments. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est le CNRD qui doit auditer. Oui. La première raison, c'est bien sûr, c'est parce que c'est le CNRD qui a pris le pouvoir après le régime d'Alpha Condé. Donc il faut faire l'état des lieux. Et l'autre chose, le CNRD, on peut dire qu'il n'est pas compromis, politiquement je veux dire. Parce que Alpha Condé, par exemple, il avait promis. Mais quand il y avait eu tellement d'accords politiques et finalement il a eu des difficultés à le faire. Je me dis que les militaires n'ont pas d'intérêt politique avec ceux qui ont géré, en tout cas pendant les dernières années d'Alpha Condé. Donc ils ont la possibilité, la légitimité même, je veux dire, de pouvoir auditer, n'est-ce pas, ce Merci travail. Beaucoup. On ne peut pas remettre ça après les élections, sinon la transition aura un coup d'inachevé. Allez-y, dans un moment. Alors, pour soutenir l'idée qu'il faut. Pour une fois, vraiment. Jacques n'est pas juste, hein, sincèrement. Allez-y. Jacques, s'il te plaît, c'est fini. Allez-y, Daouda. Pour soutenir vraiment cette idée d'audit, qu'il faut le faire maintenant, on a vu à l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir, il a dit qu'on n'a rien trouvé. Qu'ils n'ont rien trouvé dans la caisse. Dans la caisse. Alors, si aujourd'hui le CNRD est au pouvoir pour la transition, il faut bien faire l'état des lieux, et même eux, il faut qu'ils nous disent à la prestation de serment qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur le Mali de Mouya, par exemple, qu'il a des immeubles de 10 étages, à 5 étages. On est en train d'allonger, c'est-à-dire le champ de la junte. Il y a l'opportunité aujourd'hui de le faire. Les grands gueules. C'est un système qu'on doit auditer. Merci. Ce ne sont pas les personnes. C'est une réalité, Bantanko. Je suis bien d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, il y a l'opportunité. Il faut aller vers cela. Bien. Il faut engager, même si ça ne va pas faire aujourd'hui, mais ça va être un chantier qui est ouvert et d'exception. Et c'est effectivement dans cette période-là, des objectifs limités. C'est effectivement en cette période exceptionnelle qu'il faut mener des actions exceptionnelles. Merci beaucoup, Daouda. Allez-y. Si, je dis bien, même si le colonel ne réussit rien, le CNRD ne réussit rien, mais il faut qu'il réussisse à laver le pays de cette corruption qui l'a complètement gangréné. Je vous le dis clairement,
Vous prenez l'exemple de l'inspection générale d'État qui était rattachée à la présidence de la République. Par manque de budget, un budget qui n'équivalait même pas à 2 milliards de francs guinéens. Les inspections se faisaient de façon ciblée. C'est-à-dire le président regarde un ministre, on lui raconte qu'il a des intentions politiques plus tard. Des grandes gueules. Il a envie de se présenter, il prépare l'après Alpha Condé, il appelle l'inspection et dit écoutez, allez-y fouiller là-bas. L'inspection va, donc lui-même il donne le budget, l'inspection va travailler, l'inspection produit un rapport assez conséquent, et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'instruire, de mettre dans le circuit pour que la justice puisse faire son travail, le président, il appelle le ministre concerné, il lui dit, voilà, tu as vu ça? Tout dépendra de l'attitude que tu vas adopter. C'est-à-dire, il y a, c'est pourquoi il y a des ministres, plus, je pense qu'à un moment donné, il va falloir, ces dossiers vont sortir. Il y a des ministres, qui sont obligés, même quand tu ne leur dis pas, ils disent, le moment viendra, le moment viendra. C'est parce que ils sont coupables de quelque chose. Moussa, on ne peut pas jouer avec les audits là-bas. Voilà, alors, il faut les audits et c'est le CNRD qui peut le faire. C'est bon, alors, il va y avoir des audits, alors, mais allez. À quel moment qui doit? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, aujourd'hui, généralement, la mission de la junte, c'est de faire des grandes gueules. À partir de maintenant, cette corruption s'arrête. Comment? Non, s'arrête là. Tous ceux qui vont agir au nom de l'État soient sous contrôle. Il faut des exemples. Non, écoutez, il faut des exemples. Non, c'est ce que je dis. On n'est pas contre l'audit. La justice. Nous ne sommes pas contre ces audits. Mais nous disons que si nous donnons trop d'éléments, c'est-à-dire trop d'objectifs à cette junte, c'est-à-dire à cette transition, ça donnera des idées. Je suis d'accord avec toi. C'est l'objectif principal, Lamine. Il y a beaucoup de choses à faire. Non, tu parles avec beaucoup d'émotions. Lamine, je ne parle pas de beaucoup d'émotions. Non, Lamine, quand même, il faut arrêter. Comment ça doit arrêter? Il ne faut pas tirer sur la ambulance. Non, toi, vous venez de boire. Allez, les GG continuent. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, deux heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est le cache-cache. Radio Espace Guinée. C'est le nouveau jeu de Radio Espace. Tous les jours à 7h18 et 16h40. Jusqu'à 14 millions de francs guinéens à remporter. Comme la saison 14. Beaucoup, super. Vous voulez jouer? Envoyez maintenant cash par SMS au 8037. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis, il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors, chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Tous
tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous suivez à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Hein, sous le coup de 10h, nous allons revenir évidemment sur vos messages que vous avez bien voulu laisser là. Depuis quelques années, donc il le dit ce matin, c'est en bas, la toison donc brûle entre lui et Celcom Guinée SA. Alagui Sidibé, plus connu sous le nom de Lai Wasaba, a participé comme consultant à l'installation de la société de téléphonie en Guinée. C'est là en vertu d'un protocole signé, d'accord, voilà un protocole d'accord, vous l'appelez, signé entre les deux parties avec la société au logo rouge. Leur entente a volé donc en éclats plus tard quand il a fallu payer donc ses parts à monsieur Sidibé. 3%, c'est, bah oui, c'est ce qu'il faut rappeler là, en tout cas dans cette affaire. Le feuilleton donc perdure devant les tribunaux du pays. Quelle est la vérité de Celcom Guinée SA? Nous essayons de comprendre ce matin avec l'avocat de la société Maître Tal, avocat de Celcom Guinée. Il sera avec nous dans cette émission. Les GG sur Radio Espace Guinée. Allez, quelques précisions, mon cher Tamba. Oui, en fait, c'est quand même qu'il ne faut pas perdre de vue une chose. Au CNRD, nous ne leur avons pas donné de mandat. Ils ont décidé de prendre le pouvoir et arrêter une dérive que tout le monde a dénoncée. Le Premier ministre a dénoncé la dérive dans la gestion des finances publiques. Le président de la République a dénoncé des dérives dans la gestion des finances publiques. Les partenaires guinéens, les partenaires de la Guinée, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres instances, ont dénoncé toutes ces formes de dérives, aussi bien dans la gestion de la chose publique que sur les questions des droits humains. Ces dérives ont été dénoncées. Nous les avons vécues. On est allé à cette élection, à ces élections, je vais dire, qui nous ont fossoyé une économie déjà assise. Et puis on dit, il faut renflouer les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'on nous fait? On monte le prix du carburant, on nous mène la vie dure pour renflouer ces caisses-là, mais avec de l'argent qui va être mobilisé, qui va être remis à ces caisses de l'État et qui va être à nouveau dilapidé comme on en a l'habitude. Vous décidez alors, et le CNRD, décide de prendre le pouvoir avec des mandats précis. Premier mandat qu'ils se donnent, ils ont dit, il faut écrire une nouvelle constitution. Le deuxième mandat qu'ils se sont donné, ils ont dit, on va organiser des élections plus transparentes avec un fichier électoral fondu. Troisième mandat qu'ils se donnent, ils ont dit qu'ils veulent assainir la gestion publique. Ça, c'est leur mandat. Ce n'est donc pas nous qui disons au CNRD, faites-le. Bon, maintenant qu'ils veulent le faire, il y a quand même au moins deux logiques qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand tu dis que c'était mauvais et que tu veux faire de la rupture va se faire avec de nouveaux hommes. Ils ont même parlé, c'est pas nous qui avons lâché le mot, ils ont parlé d'un Guinéen nouveau. Ce n'était pas nous. Comment dire que tel est nouveau et que tel ne l'est pas? Dans un environnement où tout le monde a les pieds et les mêmes partout. Ça, c'est une question première qu'il va falloir pouvoir éclaircir grâce à des audits. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième des choses, je veux m'arrêter là, Lamine. Pour rendre une Guinée où les gens ont peur de jouer avec l'argent public, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas une chasse aux sorcières, une responsabilité de fixer les responsabilités et à partir de ça, sanctionner qui doit l'être. Bien. Ça, même s'ils ne font rien, ils n'ont qu'à punir ceux qui ont volé. Ça au moins. Allez, on revient à 10h. Salut. Red Info Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire.
l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les dimanches, 18h30, 20h, l'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. La pédagogie, les faits, rien que les faits, avec des journalistes, des hommes politiques et de la société civile. Le débat d'idées, même celles qui fâchent. Avec nos invités, vous allez vous faire votre opinion. Le club de l'actualité, tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace! 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 C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Des réactions à Conakry, recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances.
ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. À Malapouya, Gorée, Coréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Hey. Yo. Groove Station, hip hop. Groove Station, Houssaïn Kaba. Tous les week-ends, c'est hip hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. De nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Merci à vous tous, à l'international, évidemment, la Guinée, le 2 octobre, évidemment, 63 ans, c'est bien ça, voilà, voilà, c'est ça, 63 ans, évidemment, avec Alphonse Marat. Enfin, je pense qu'il faut vraiment soutenir ces jeunes. Voilà, qu'est-ce qui est écrit dessus? Voilà.
je pense que le message est passé, il n'y a pas de problème. Allez, continuez à réagir, allez, contact s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, hein, je vous ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Au 657 39 13 13, sinon ça se passe là également. Là, le hashtag espace GG, sinon le numéro, ça n'a pas changé, hein, ça s'affiche juste en bas de l'écran. Le hashtag espace GG avec Malicida Poutine du côté de la Real. Et grand merci à Mamoudou Kondé, Mafata Sano, toute l'équipe de ce côté. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, je le disais tantôt, la toison brûle entre lui et Selcom Guinée, SA, Aladi Sidibé, le Wassawa Sport, oui, plus connu sous le nom Wassawa Sport, donc, a participé comme consultant à l'installation de la société de téléphonie ici en Guinée. C'est là en vertu donc d'un protocole d'accord signé avec la société au logo rouge. Leur entente a volé en éclat plus tard quand il a fallu payer donc ses parts à Monsieur Sidibé, 3% dont le feuilleton donc perdure devant les tribunaux du pays. Quelle est la vérité de Selcom Guinée dans cette affaire? Maître Tal, avocat de Selcom Guinée, il va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans ce studio. Beaucoup de réactions ce matin sur le 657 39 13 13 avec Ibrahim Mangaï de Dingirai qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Nous vous remercions pour les belles nouvelles que vous faites écouter au public. Alpha Condé ne doit pas être libéré, il doit être juré, jugé et condamné à la haie pour les crimes commis, donc il veut dire. Merci beaucoup mon cher ami qui nous écoute du côté de Dingirai. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Amadou Sank Diallo, félicitations donc aux actes, félicitations au colonel Doumbouya, aux actes posés. Merci beaucoup. On reste avec cet autre également. Vous n'avez raison de retirer donc la parole à Tamba encore. On s'en fout, on s'en fout. Yabo Kamara du côté de Symphonia qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction. Abdoulaye Baldé du côté de l'abbé qui nous écrit jusqu'à présent à l'abbé, les sous-préfets n'ont pas été remplacés et on se demande si l'abbé n'est pas une partie de la Guinée. Voilà, lui pose la question. Restez avec nous avec Salifou Bangoura. Les 518 ont à un moment donné c'est un vrai problème de la République. Il faut que l'on fasse des audits. Merci beaucoup, le message est passé. On reste avec cet autre aussi. Il faut des audits, hein, surtout au niveau des marchés, du marché public. Signé Cissé qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit du côté de Matam. Il s'appelle SK, qui nous dit « Le colonel Doumbouya a de bonnes initiatives pour notre pays. Prions Allah, ainsi qu'Allah l'accompagne. » Merci beaucoup. Allez, on reste avec cet autre également qui nous écrit, Espace TV. Je me suis depuis... je suis vraiment au cœur... Je suis vraiment de cœur avec vous. Il veut dire, hein, c'est très compliqué, hein, sincèrement. Appliquez-vous un petit peu, les vrais gens, quand vous écrivez. Je suis de cœur avec vous, j'essaie de reformuler. Je suis de cœur avec vous. Vous voyez, faire en quelque sorte pour qu'on puisse vous écouter à Dalaba. Il n'y a pas de problème. C'est là, ça nous fera plaisir. Sauf qu'on n'écoute pas la radio, la télévision, on regarde. Voilà, merci. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les GG. L'un des problèmes de notre pays, pendant Alpha Condé et ce groupe 518. Vivement l'audit. Diongfo depuis Solo Primo qui nous a envoyé ce message. On vous aime. Nous, on vous aime aussi. Hein. Merci beaucoup. Ne mettez pas un frein à cela sur vos antennes ou risquez de vous décrédibiliser. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bonjour les GG. Bonjour les GG. Et un nombre, pas le moindre de Guinéens, lui accorde un crédit certain. Mais pour ma part, je suis d'avis que les audits soient engagés dès maintenant. Cela n'empêchera en rien le bon déroulement donc de la transition. Merci à vous, mon cher ami. Bonjour à vous, Lamine. Bonjour à toute l'équipe. Tu nous as oublié dans le noir. Rester sans écouter les GG, c'est d'être dans le puits. Hein. Je suis Mamadi Gianca Silla depuis Sigiri. Vous nous regardez à la télévision et c'est l'essentiel, mon cher ami. Merci à vous tous. Voilà, lui, c'est Barbosa depuis Paris. Il nous écrit, il nous faut une vraie justice car sans justice, il n'y aura jamais la paix. Tous qui ont pillé ce pays doivent répondre de leurs actes. Merci beaucoup. Hein. Lui, c'est Barbosa depuis Paris qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Allez, on va rester maintenant avec les tweets, si vous le voulez bien, sur le 657 39 13 13. On y va avec cette autre réaction qui nous écrit « Bonjour les GG ».
Parmi les 518, il y a certes beaucoup qui se sont insolemment enrichis, tels les anacondas qui avalent. Eh bien, il n'en existe même ceux qui se tapaient la poitrine avec de l'argent public. Ceux-ci doivent être dégagés et leurs biens saisis. Mais il y a aussi ceux qui, avec amour et conscience, ont travaillé pour le bien de tous. Alors, pour démêler le vrai du faux, il faut des audits, car même dans un fruit pourri, il existe une petite parcelle de chair pure. Boubadial, qui nous envoie ce message, Radio Espace, évidemment. Merci à Marouane, également, qui nous écrit. Bonjour, les GG. Ils viennent de pirater mon compte, Marouane de Ligras. S'il vous plaît, que personne. Ok. Marouane, sacré Marouane. Allez. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Voilà, on va aller maintenant avec les tweets que vous avez bien voulu laisser là, avec la complicité, évidemment, de Malicila Poutine. Avec ce premier tweet qui nous parvient, j'ai encore 2 minutes. Bonjour, les GG. Cette prestation de serment du colonel est très flou dans ma tête. Un putschiste, eh ben, a-t-il besoin de prêter serment? Il pose la question. Sur quelle base juridique il faut qu'on fasse beaucoup attention, eh ben, car nous glissons vers une pente très glissante. Que Dieu nous protège. Il s'appelle Mamadi Ouarté Diaby, eh ben, sur Twitter. On reste avec Mamadou Ouribari également, qui nous écrit sur Twitter. Bonjour à toute l'équipe. Après cette prestation de serment, il veut dire, demandons au colonel que les choses sérieuses commencent désormais. Ne perdons plus le temps, car le temps perdu ne se rattrape jamais. Que le Guinéen lambda change aussi avec sa mentalité. Deka qui nous envoie ce message. Le pacificateur qui nous écrit également, bonjour les GG. Dans sa logique de poser les jalons d'un véritable état de droit et de construction d'une nation forte, eh bien, nous souhaitons à partir de demain une nouvelle Guinée où la justice, le travail et la solidarité seront les véritables caractéristiques des Guinéens. Hashtag espace GG. Ibrahim Assouri Kouyaté également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. La prestation du serment du colonel Doumbouya sera le moment pour lui de rassurer davantage l'opinion. Merci. On reste avec Enfant de Kansanto qui nous écrit. Le plus important, c'est la mobilisation massive de tous les patriotes guinéens autour de CNRD. Merci à vous. On reste avec Ibrahim Hoularé également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. L'invitation des chefs d'État est juste protocolaire. Ce n'est pas du tout une obligation. Le message est passé. On reste avec Intim Diaby également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Lamine, il faut que cette prestation de colonel Doumbouya ne s'arrête pas seulement à des discours. Le message est passé. Merci. On reste avec Habib Ourekou Tso qui nous écrit. Au fait, j'attends du colonel Doumbouya demain un discours d'unité entre les Guinéens. Merci. On reste avec Aboubakar Sidiki Sila qui nous écrit également sur Twitter. Qui dit l'importance de la prestation du serment du président du CNRD, c'est pour les Guinéens, les autres présidents qui aiment la Guinée. Merci. On reste avec Idriss Né de Boké qui nous écrit. Bonjour les GG, l'idéal voudrait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Mais je me fais piéger tout seul à l'antenne. Merci. Allez, on reste avec Lucien Blémou également qui nous écrit sur Twitter. Lucien Blémou qui dit, et quoi exactement? Bonjour les GG. L'audit n'est pas une chasse aux sorcières. C'est une chose normale et légitime. C'est-à-dire rendre compte de l'usage de l'argent public. Cela nous permettra de moraliser la vie publique. C'est trop facile de parler développement sans justice. Un peu de lucidité. Il dit ce matin, Lucien Blémou sur Twitter. On reste avec Lama Bank qui nous écrit également. Les discours et actes du colonel sont pour l'instant bons. Espérons qu'il respecte son engagement. C'est le colonel qui prête serment, mais c'est le peuple qui doit l'aider à respecter son serment. ONU, CEDEAO et quoi d'autre ne suivent que leur intérêt. Merci beaucoup. Un dernier message pour la route, c'est de Youssef Kaba, conçu dans l'OTAN. L'inéligibilité des membres des institutions dissoute dans les organes de transition devrait être élargie à leur inéligibilité aux prochaines élections. Ils doivent servir d'exemple pour avoir insaisissablement, qu'est-ce qu'il veut dire, abusé de ce pays. Il s'agit d'assainir, pas d'exclure. Hashtag espace GG. Merci beaucoup Lucien Kaba qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage, évidemment. Mon cher Tamba, merci. Tu peux répondre. Allez, on va rester dans le sillage, évidemment, Moussa, avec. J'ai envie de féliciter, si vous voulez. Je parle avec Bantanko ce matin, parce que quand on parle de nos pièces d'identité et tout ça, je vois un petit peu les diaspos, surtout à
étrangers qui se disent « Mais non, on a du mal à obtenir le passeport et tout ça. » Je parle avec Bantancourt. Eh bien, pour une fois, mon cher Moussa, peut-être que tu ne l'as même pas toi aussi, mais c'est l'extrait de naissance. Ça, c'est mon extrait de naissance, mon cher Moussa. Je tiens vraiment à féliciter les gars et tout ça. Du côté de la régie, normalement, ils doivent l'avoir de ce côté. J'espère que Poutine a flouté quelques parties. Tu vois, c'est juste incroyable. Tu vois ça? Voilà, ça c'est l'acte de naissance. On peut tout le sauf la date de naissance. Ah ben si, mais tout le monde le sait, tu vois. Ça, regarde, ça c'est ma carte d'identité, mon cher Moussa. T'as vu ça? C'est beau. Mais pourquoi c'est masqué de l'autre côté? Parce qu'ils veulent faire comme ça. Non mais il faut les féliciter, Moussa, parce que j'ai trouvé ça quand même extraordinaire. Et voilà quoi, non? J'ai également le t'as mien. L'extrait de naissance? Oui, l'extrait de naissance. Wow. C'est seulement la carte d'identité. La carte d'identité que j'ai pas. T'as vu ça? Je pense que le commissaire Paille. Enlevez ça de l'antenne maintenant. Voilà. Il est général, d'ailleurs. Oui. Général Paille. Général Paille, ses éléments. Antoine, t'as ta carte d'identité? Non. Bientôt. Général Paille et ses éléments font un travail formidable. Cela amène à parler des permis de conduite qui sont aussi biométriques. Pardon. Ouais. Voilà. Oui. Donc des permis aussi biométriques. Des cartes grises. Alors. Là aussi d'ailleurs il y a des abus. Hein. Pour la première fois au monde, je vois une carte grise date limitée en fait. Date d'expiration. Je comprends. Je comprends pas sincèrement. Allez-y Moussa. Je trouve que vous savez il y a quand même il y a un facteur qui permet à tout observateur de savoir si un pays est au moins bien géré ou pas. Ouais. C'est-à-dire quand vous venez dans un pays, vous n'avez pas de fichier. Ça, c'est les acquis de Coran. Hein. Vous n'avez pas d'état civil. C'est les acquis de Coran, Moussa. La mine, laissez-moi parler. Souffre d'entendre ça quand même. Les acquis de Coran. Ben oui. Mais, attendez. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas d'acquis. Ça, je ne peux pas le nier. Mais il ne faut pas non plus. C'est pas maintenant qu'il va falloir parler de cela. Nous parlons de votre certificat de naissance. Lamine, je trouve que ça a été une belle initiative. Que cela ait pu se faire en son temps, c'est salutaire. Et que des éléments de la police, de la société qui a été recrutée, aient pu travailler sur l'établissement de tels documents. Sécurisé, numérisé, mais sécurisé, je pense que c'est encore très très salutaire. Ouais. Parce que il y a un certain nombre de vérifications qui se fait. Moi, j'ai été du côté de la commune de Kaloum avec mon extrait de naissance. Je sais tout le circuit qui a été fait, même lorsque j'ai eu mon fils. Mmh. C'était un peu la même chose, la procédure était très très longue. Mais la mine, au finish, dangereux parce qu'il me prend pour un voyou. Alors moi, je. Mais ouais, il est terrible ce garçon-là. Donc je trouve que c'est une belle initiative. Merci. Le commissaire Paille est vraiment et son équipe, même si beaucoup se plaignent du retard parce que la procédure est longue, c'est une belle procédure. C'est la même chose au niveau des permis biométriques. Ouais. J'ai mon permis biométrique. Ah ouais? Oui, c'est comme mon sac. C'est pas mon sac ça. C'est à côté de Damaro. Alors, il y a que le permis biométrique, quand j'ai présenté mon ancien permis. Vous savez, c'est Thomas Gregg qui s'occupe de ça. Ouais. Leader mondial dans le domaine des documents sécurisés et numérisés. Ouais. Ils font même des billets de banque dans certains pays. Donc, c'est une grosse entreprise. Mm-hmm. Donc, travailler avec le ministère des Transports ou l'établissement d'une base qui se trouve, la base centrale se trouve du côté de Premier Center. Alors, quand vous y allez, Lamine, vous présentez votre ancien permis, votre ancien permis de conduire. Mais ce permis, quand j'ai donné le mien, le monsieur de transport qui était là, il a regardé, mais il m'a déshabillé mon permis. C'est-à-dire que c'était comme un torchon. Ça ne représentait absolument rien. Même le timbre qui est dessus est faux. C'est-à-dire qu'on vous donne comme ça et il m'a demandé sincèrement, entre nous, ce permis, tu l'as eu en étant assis dans ton bureau, oui ou non? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit sincèrement oui. J'ai payé 5. C'était comme ça. Oui, j'avoue. Ouais. J'étais là, j'ai donné l'argent. Ouais. J'ai dit trouve-moi un permis rapidement. Ouais. Ils sont partis, ils m'ont trouvé le permis. Ouais. J'étais assis dans mon bureau. Ouais. Il dit est-ce que vous trouvez cela normal? Je dis mon frère, sincèrement, c'est pas normal. Ouais. Il dit voilà, c'est pas normal. Ouais. Donc il dit chez nous ici. Non, je finis rapidement ta cour. La procédure a changé. Oui, j'avoue. Hein? Mais comme les Guinéens sont dedans, tous ceux qui sont là, même la mine. Lamine. Mais ça va pas. Non, si. Ah ben non. Le permis que vous aviez, comment vous l'avez? Mais je passais mon permis en France, monsieur. Regardez ça. Ah ben si. Il y en a même qui n'ont pas de permis. J'ai passé mon permis en France. Je parle du permis guinéen, c'est différent. Non, comment ça c'est? Alors, j'ai permis passé. Alors, le permis. Il est en train de se. Non, pas du tout. Le permis falsifié, non seulement ils le retiennent, ils vous font faire. Vous renseignez toutes les fiches. Ensuite, vous passez ce qui m'a marqué devant. Vous passez dans un centre médical qui est installé à Prima Center. Un centre médical pour les yeux.
où on vous met des écritures en fonction de différents formats. Parce qu'un conducteur, c'est d'abord l'outil premier que vous devez avoir, ouais, habilité, donc c'est ce que vous puissiez voir sur une certaine distance. Mmh. Donc vous passez le test qui est noté sur 10. Mmh. Donc de petites écritures, de grosses, je ne sais pas si Tamba pourra réussir ce test, ça m'étonnerait. Donc de petites écritures, de grosses. Et ensuite, si vous validez cela, il y a des médecins qui sont là, qui notent. Donc si vous ne validez pas, le centre médical, le centre médical vous délivre un papier qui est ensuite donné au ministère des Transports, et le ministère des Transports rejette. Le ministère des Transports rejette complètement. J'explique ça pourquoi, parce que c'est une première. Est-ce que tous les conducteurs qui sont là, vous ne voyez pas dans la situation certains chauffeurs qui font ça, ça parce qu'il n'y a pas de contrôle. Oui, mais là, on prend ton groupe sanguin, ton groupe sanguin, on le sort, parce que moi j'ai été prélevé, on a sorti mon groupe sanguin au plus. Par un O+, vous savez ce que ça veut dire. Oui, donc mon groupe sanguin est sorti. Ouais. On met ça sur la carte, sur le permis de conduire. En cas d'accident, en cas d'accident, quand vous avez votre permis, s'il faut une transfusion sanguine, c'est plus rapide. Je trouve que c'était un élément majeur en termes quand même de sécurisation de nos documents. C'est vraiment une révolution qu'il faut. Oui, qu'il faut mais ça explique quoi encore? Ça explique quoi d'abord? Non, que la Guinée est en train d'évoluer en tant que. Oui, c'est ce que je dis. Mais ça explique au même moment le retard que nous avons acquis. Exactement. Ça explique, c'est là le point de départ. Je parce ne crois que pas. Il faut aujourd'hui en 2021, on est en train de parler des cartes d'identité biométriques et choses. C'est pourquoi je vous dis que le pays là n'existait pas. C'était pas un pays. Quand j'ai peut-être on a trouvé que l'expression peut-être ou le terme que j'avais employé, c'était nous vivions dans une sorte de jungle. Il faut l'admettre. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est vrai, il faut encourager tout le monde à aller prendre donc ces pièces biométriques, que ce soit la carte d'identité, le permis ou l'extrait de naissance, plus le passeport. Il faudrait aller dans le biométrique. Maintenant, quand on revient, c'est le problème avec les cartes grises. C'est cela qu'on n'a pas compris. On a compris qu'on a réduit, on a fait un prélèvement de 5% des salaires des cadres pour permettre de remplir les caisses, mais ce n'est pas comme ça. La carte grise, c'est-à-dire quand elle expire, c'est celui qui a un véhicule et puis a une carte grise qui expire, qui doit aller renouveler sa carte grise. Personne ne comprend cela. On ne doit pas inventer les choses juste pour remplir les caisses. Il y a des méthodes, il y a des manières pour procéder pour avoir cela. Mais je pense qu'on va essayer de trouver une solution pour changer cela. La carte grise, elle doit être avec le véhicule pour de bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand vous revendez votre véhicule, celui qui va acheter va aller aussi chercher à faire une carte grise. C'est seulement là où le bas blesse. Mais je pense qu'ils vont rectifier le tir. Voilà. Vous êtes chez les... Allez-y. Non, je veux quand même appuyer ça. La mine, je pense que c'est bien ces formes-là. Et ça, il faut reconnaître. Ça a évolué. Bon, Antoine a parlé de révolution, moi je n'irai pas jusque là-bas. C'est une révolution. Ça a changé, d'accord, mais ce n'est pas une révolution. Il faut saluer cela. Maintenant, parce que pour moi, j'ai salué. La Guinée évolue. Sauf que toi tu as salué à deux mains. Oui, moi c'est... Deux mains c'est petit, il y a que les pieds là-dessus. Oh non. Je salue l'acte. Pour revenir... Bon enfin, il fallait juste fermer son micro. Il faut finir seulement. Donc pour revenir à ce sujet, je veux dire deux choses. La première, Bantanko l'a souligné. On n'a pas besoin, et ça il faut, voyez là-bas comment vous pouvez corriger ça. On peut pas nous dire que notre carte grise va durer à une durée de valide. Ben c'est le 3 ans. Trois ans, c'est ça. On ne peut pas nous dire que la carte grise a une durée de validité de 3 ans. Ouais. Il y a d'autres mécanismes ailleurs que les grandes gueules. Pourquoi ça va avoir une durée de validité de 3 ans? Ça, c'est une question que je ne comprends pas. Non, je ne parle pas du permis. Je parle de la carte grise. Non, je viens de voir la mention, c'est important. C'est grande gueule. Donc, c'est important quand même de dire qu'on ne peut pas imposer aux Guinéens qui végètent déjà de nous donner une carte grise qui va durer que 3 ans et qu'on soit obligé de revenir encore. Ça n'a pas de sens, sincèrement. Ça, c'est quelque chose d'unique et d'inacceptable. Ouais. Il faut qu'on arrête cela. Deuxièmement, on a changé, ça c'est vrai. Mais le prix aussi a changé. Oui. Et ça, c'est une autre réalité. Oui. Là où tu payais pour tout, en tout et pour tout, pour de petites voitures, 1 500 000 jusqu'à l'assurance, aujourd'hui, tu payes rien que pour obtenir la carte grise et donc le numéro 2 200 000 que pour ça. Les si tu ajoutes à ça les frais d'assurance,
voyez bien que c'est quelque chose quand même d'inconcevable. Ça a beaucoup de changer. Ça va changer parce que ça, c'était dans le cadre de la mobilisation des ressources, parce qu'il y avait un déficit, des conséquences un peu du troisième mandat. Je pense que les nouvelles autorités, j'ai eu dire qu'ils vont quand même essayer de se pencher sur la question, parce qu'à un moment donné, c'était fait pour pouvoir mobiliser un peu des recettes. Voilà, maintenant qu'on est sorti avec les cartes grises à durée limitée. Justement. Mais donc, c'est ça, c'était pour. Voilà, c'était hier pour encore, la mobilisation hier encore, des recettes. Je veux simplement des dire que pour le moment, ça continue. Hier encore, justement, sur un besoin de cartes grises et de numéros, donc une plaque d'immatriculation de 200. Ça, c'est quelque chose à débourser. Quand vous ajoutez à cela l'assurance, ça devient un problème. Et nous dire qu'en déboursant, quasiment ça s'est multiplié par deux. Lorsque vous déboursez ce montant et qu'on vous dise que ce n'est plus une carte grise permanente, c'est une carte grise de trois ans, ça, on se demande, mais ils sont allés chercher ça où? C'est quoi ce génie? Ce génie de c'est le ministère de l'exploitation. C'est le ministère de s'expliquer, dit Antoine. Ouais, donc je disais tantôt que c'est un acte qui est à saluer. Lorsque c'est bon, disons que c'est bon. Faut pas tout le tour du pot et dit clairement qu'à ce niveau, il y a une avancée qui est faite. Ouais. Aujourd'hui, on est en train d'entrer, on est en train d'emboîter le pas à beaucoup de pays dans la biométrie. Si excuse-moi, cette question, justement, parce que les permis guinéens ne sont pas, par exemple, acceptés du côté de la France, Moussa. Je ne sais pas si ton permis, là... Ce permis, il est estampillé CDAO. C'est même pas la raison. Sauf si tu es étudiant pour le permis, jusque-là, en tout cas. Sauf si tu es étudiant, mais pour la France, dès que tu ne l'es plus, tu es obligé de te faire un permis français. Parce que ce qui est bien... C'est différent pour les Sénégalais. Quand même qui peuvent changer cette facilité, qui peuvent changer, l'utiliser tout simplement. C'est allez-y, Antoine. Avec l'entreprise Thomas Grec, selon ce que nous apprenons, ils sont affiliés à des auto-écoles. Aujourd'hui, pour avoir le permis, lorsque vous y arrivez et que vous n'avez pas encore de permis, vous êtes contraint d'aller faire l'auto-école qui atteste à Thomas Grec que vous êtes habilité à avoir le permis. Et quand vous n'avez pas rempli les points qu'il faut pour l'obtention du permis, vous continuez votre formation afin d'être complet pour obtenir le permis de conduire. Et moi, ce qui m'a fasciné, ce sont les installations de cette entité. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, le week-end dernier, j'étais là-bas, j'ai vu qu'il y a moins d'affluence comme avant. Et selon ce que nous apprenons, l'entité Thomas Grec attend que l'état actuel prennent un décret pour inciter les citoyens à aller désormais prendre ses permis à Prima Center. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des citoyens... Je pense qu'ils avaient même commencé à communiquer dessus. Oui, avec Alpha Condé, ça avait commencé, sauf qu'il n'y avait pas encore un décret pour dire que désormais, les permis se prennent de ce côté et non... Donc, le permis de Moussa n'est pas valide. Non, si c'est valide. Ah ben. C'est valide. Non, mais visiblement, faut attendre un décret par rapport à ça. Non. Je comprends rien de ça. Juste l'affluence. Ça n'a rien à voir. Ça va délocaliser le lieu. Les grandes gueules. C'est le décret. C'est le décret qui a attendu pour que les citoyens. Non. Quel décret? C'est ce qu'on nous a dit. Parce que ce permis-là, il n'est pas falsifiable. Ouais. L'ancien permis de Moussa l'est. Parce que chacun peut s'en procurer. Ouais. Mais celui-là, pour l'avoir, il faut que vous passiez forcément par Thomas Grec. Effectivement. Pour ceux qui ont fait auto-école comme moi, ben, il faut y aller, c'est très facile de l'avoir. Voilà. Voilà. Mon cher Antoine, allez-y. Donnez-moi, vous avez votre permis ou pas du tout? L'ancien. J'ai l'ancien permis. Bien. Des grandes gueules. J'ai l'ancien permis. Je ne suis pas encore avec les nouvelles autorités. Je ne suis pas encore avec les nouvelles autorités. Peut-être que lorsque je serai avec les nouvelles autorités, j'aurai mon nouveau permis. Pour l'instant, je suis ancien. Des grandes gueules. Alors, je disais, le problème, c'est que c'est arrivé à un moment. C'est vrai qu'il faut saluer, que c'est une nouveauté. Et ça amène les Guinéens à emboîter les pas à d'autres pays. Mais de l'autre côté, il faut aussi voir quelle est la possibilité de mobilisation des fonds pour le Guinéen. Le revenu quotidien, il le trouve difficilement. Ouais. C'est pas parce que quelqu'un a une voiture qu'il est forcément riche. Il y a des gens qui ont une voiture et ils ont même des problèmes à se trouver 3 litres pour circuler. Donc si pour obtenir un permis, pour obtenir votre carte grise, vous êtes obligé de débourser des montants comme 2 millions, 3 millions et quelques, ça c'est sans compter le transport que vous allez à tout moment payer pour être là. Et je crois qu'il faut regarder un peu le niveau de vie des Guinéens
pour fixer certains prix. Mmh. Parce que si... Surtout, en plus, c'est des documents quand même, quoi, je veux dire. Oui, c'est des documents, c'est des documents après tout, mais il faut bien que les gens soient à même de s'en procurer. Justement. Mais si les gens ne sont pas à même de s'en procurer, quelle que soit la communication que vous allez faire, l'affluence, vous ne trouverez pas. Ouais. Il faut je pense qu'il faut un vrai débat. 1,5 million, c'est petit pour Antoine, mais non, il faut un vrai c'est débat. Pas petit pour quelqu'un. Mon Dieu, il faut un vrai débat. Allez-y, mon cher Jacques Léouadino, parce qu'à un moment, on parlait de c'est pas des quittances, hein, c'est qu'on met sur les pare-brises les voitures et tout ça. Ça, c'est fini, ça aussi, normalement. La vignette, c'est autre chose. Ça, c'est l'impôt. Oui, mais. C'est ce que je dis, mais ça aussi, ça part aux impôts, je suis désolé. Bah oui. Non, mais. Enfin, ça part au trésor. Ça part au trésor, mais je crois que la vignette, elle est plutôt annuelle. Et ça, on doit pouvoir continuer à payer. Et je pense que la biométrie, elle est importante parce qu'elle pourrait nous aider même dans le cadre de la sécurité, la sécurité des personnes, etc. Si tout le monde est fiché, ça peut avoir du sens. Aussi bien pour la police que pour l'administration centrale. Moi, j'apprécie tout ceci, mais comme les collègues l'ont déjà mentionné, il va falloir rediscuter sur le prix. Parce que il faut qu'on sache qu'est-ce que l'entreprise prend dans les 3 millions et quelques que chaque demandeur de pièces de véhicules doit verser et qu'est-ce qui doit partir au niveau de l'État. L'État ne doit pas continuer à prendre beaucoup plus parce qu'à chaque fois qu'on a voulu moderniser les choses, on a voulu préserver l'intérêt de l'État quelque part pour dire bon, chaque chose, il faut que l'État prenne quelque chose. Je crois que c'est assez compliqué. À partir du moment où l'État a signé le contrat, avec la société, l'État ne subventionne pas. Bien. Il va falloir réduire un peu le gain de l'État. Le train de vie, évidemment. Vous restez avec nous sur Radio Espace, sur Espace TV. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté. Avec cette enquête de Moussa Moïse Sida dans un instant sur Radio Espace sous fond de détournement donc à la Mamrie, on en parle dans un instant. Mais d'abord, vous évoquiez, mon cher Antoine, du côté de la CNT, la guerre des représentants comme sont déjà. Oui, s'il y a un événement auquel on va assister dans les heures ou jours à venir, c'est bien ceux qui vont devoir représenter les entités au sein du CNT. Ouais, le CNT, il y a une guerre de positionnement qui a déjà commencé. Mmh. On a dit parti politique, 15 personnes. Société civile, 7 personnes. Syndicat, 5 personnes. Et également la culture, 2 personnes. Nous constatons que les états-majors des différentes entités ont commencé leur réunion. Hier, on apprend que des fêtières de la culture étaient en réunion. On ne sait pas qui doit représenter le monde de la culture au Parlement ou au CNT. On ne sait pas qui va représenter la société civile au CNT, parce que, parlant de société civile, c'est là où je vais m'arrêter pour dire qu'il faudrait qu'on soit éclairé, qu'on nous éclaircisse, qu'on nous clarifie les choses par rapport aux critères qu'il faut pour être au CNT. Le critère, c'est expressément dit dans la charte de la transition. Je ne parle pas de ce que dit le CNT, je parle le CNRD, je parle des fêtières. Mais ils vont se conformer à ça. Attendez, j'ai eu un entretien avec des représentants de la société civile. Il y a un souci par rapport à ceux qui vont représenter la société civile. Le CNOSC, qui est la plus grande structure fêtière de la société civile en Guinée, on se demande entre elle et le FNDC qui sera légitime à aller au CNT. Parce que le FNDC ne veut pas se mélanger au CNOS par le CNT. Et le FNDC pense être la structure la mieux placée aujourd'hui pour revendiquer des places au CNT. Est-ce que cela va se passer ainsi? Je ne sais pas. Mais bien, de mon point de vue, au regard du combat que le FNDC a mené de par le passé pour qu'on en soit là, il serait injuste, il serait d'ailleurs incroyable qu'on fasse des choix pour aller au CNT sans que la majorité ne vienne du FNDC. Cela, je vais trouver cela incroyable parce qu'il faut dire clairement les choses. Ce sont eux qui ont remué le cocotier pour que la mangue soit frêle afin qu'elle tombe. Bien. Si on a, juridiquement, est-ce que le CNT. Est-ce que le FNDC existe? Non, ça c'est un agrément que vous demandez. Oui, est-ce qu'ils existent? Juridiquement, le CNRD existait. Non, le CNRD.
seul débat dans lequel on va tomber, mais aujourd'hui c'est un mouvement social. C'est un mouvement social qui a mené un combat pour un arriver à la légitimité. Je me dis qu'à ce niveau, il serait pour moi injuste qu'on fasse le choix des personnes sans que le FNC... Les forces vives de la nation en 2008. Allez-y. De l'autre côté, j'ai vu la proposition de Tidiane Souma par rapport au monde de la culture. Il a proposé 10 personnes pour être au sein de qui on a choisi les deux personnes. Zainab Koumantcho Diallo, pour qui je suis favorable du côté de l'abbé. Non, pourquoi tu vois toi? C'est mon point de vue. Pour celle-ci, je suis favorable au regard de ce qu'elle sait de la culture guinéenne et du combat qu'elle a mené dans ce milieu. Et donc, Zainab, moi, c'est ma candidate pour être au CNT. Maintenant, les gens pourront choisir les autres beaucoup, par rapport à ce qu'ils veulent. Mais pour moi, il serait important Allez-y. Qu'on choisisse les hommes qu'il faut, les hommes qu'il faut et qui le méritent. Allez-y. Je constate des gens que nous connaissons, qui ne représentent rien du tout, qui se préparent à y aller. On ne va pas l'accepter. Qui ça, Antoine? Ils se connaissent. Comment ça, ils se connaissent? Mais assume. Qui, Antoine? Vas-y, Lamine. Oui. On en parlera bientôt. Eh ben, il a peur pour une fois, mais c'est incroyable. Antoine, t'es de grande gueule là. Oui. On reçoit des coups de fil, Lamine. Oui. On reçoit beaucoup de coups de fil. Qui, Antoine? Il y a des personnes qui ont été sans le mériter. Qui, Antoine? Je ne dirai pas Lamine. Même comme la dernière fois. Non, eh ben, dans sa cinéma, dans sa mérite d'aller au CNT, il le mérite. Ah oui, allez-y. Au nom de la société civile. Allez-y, Jacques, s'il te plaît. Allez-y, Jacques, s'il te plaît. Moi, je le disais la dernière fois qu'au-delà de la charte, il va falloir déterminer les critères de sélection. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Le CNRD va attendre, comme il est en train d'attendre les mémorandums. Peut-être que vous avez suivi l'actualité hier au sein du mouvement syndical. C'est deux mémos, peut-être plus, qui iront. Ouais. Alors qu'on a demandé un mémo pour le mouvement syndical, il y a déjà un groupe qui s'est détaché pour déposer son mémorandum. Bon, et un autre qui va se détacher pour y aller. Donc quand on demande à ces gens-là de désigner, n'est-ce pas, des représentants parmi les sept, il va y avoir des difficultés. Mais sur ce que Antoine disait, il faut quand même qu'on revienne là-dessus. Il ne faut pas que les organisations de la société civile se créent et obtiennent, n'est-ce pas, des agréments au niveau du ministère de l'administration du territoire pour attendre juste des opportunités. Si vous êtes une organisation de la société civile, vous devez marquer votre présence par la lutte que vous menez. Parce que si vous dites que vous êtes là pour la démocratie, pour encourager la bonne gouvernance, il faut qu'on vous reconnaisse dans ça. Mais nous avons remarqué, nous avons constaté tout le monde, que le CNOSC soit une organisation plus représentative sur le terrain, mais pour cette lutte qui a consisté à dénoncer le troisième mandat, le CNOSC n'a absolument rien fait. Donc il ne peut pas se prévaloir aujourd'hui la légitimité d'avoir le droit de désigner plus de représentants que les organes fêtières qui se sont retrouvés au sein... Ce n'est qu'un critère. Non, ce n'est qu'un critère. Vous appelez société civile. Attention. Non, qu'est-ce que vous appelez société civile? La société civile, c'est quelque chose de très vaste. Société civile, c'est un ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est pour les questions de droits humains. Il y a aussi d'autres. Ce sont des organisations, d'accord. Mais encore une fois, nous sommes à une situation. Ça peut pas être le critère exclusif pour aller au CNT. Il faut pas que ce soit des strapontins. Si vous le faites, on soulève les organisations de la société civile ne doivent pas être des strapontins. Il faut qu'on sorte de cela. Lorsqu'on dit société civile, marquent leur présence sur le terrain. Souvent, ce sont des opportunistes. Il faut bien le dire. Non, mais ce qu'on ne dit pas, ça devient un tremplin de toute façon. C'est un tremplin. Les gens ils profitent de ça pour aller à des opportunistes. Moi, je veux dire une chose. La société civile aujourd'hui, il faut repenser. Il y a un besoin aujourd'hui d'aller vers des états généraux. Beaucoup l'ont dit. Parce que c'est devenu un exutoire pour beaucoup pour avoir des postes. Sur le cas de Dansa Kuruma, moi je l'ai dit ici dans ce studio. Ouais. Dansa Kuruma, déjà, il a été. Dansa Kuruma en 2010, il était au CNT. Il était au CNT en 2010. Donc je pense que lui, concernant sa personne, il ne peut pas venir. Je suis d'accord avec Jacques. Voilà. Mais seulement la lutte pour la démocratie, le troisième mandat, peut être l'un des facteurs. Mais si vous prenez au jeu de la société civile, il y a un ensemble de structures. Vous avez des personnes qui se battent pour les questions de jeunes filles. Vous avez des structures qui se battent pour les questions de droits humains. Vous avez des structures qui sont sur des questions minières. Si on tient compte de ça, tout est prévu. Justement, mais si on part sur cet aspect-là, je pense que pour le nombre qui a été prédéfini dans la charte de la transition, il faut faire attention parce qu'il y a une question aussi d'inclusivité. Il faut tenir compte de cela. Je ne prends qu'une seule minute. Moi, je pense que c'est vrai, il y a beaucoup d'entités autour de ce qu'on appelle société civile, mais il faudrait savoir qu'est-ce qui nous a amené ici à ce stade, à cette période d'exception. C'est justement ce troisième mandat. Ouais. Alors, on peut aussi soustraire certains à partir de là.
tous ceux qui ont participé de près ou de loin à encourager le troisième mandat, à tordre la Constitution, ne devraient pas faire partie, parce que nous cherchons ici des personnes qui pourraient aujourd'hui. Mais on parle de justice en même temps, Bantanko. C'est ce que je dis, mais la justice. Les grandes gueules. Vous demandez à ce que vraiment on change une Constitution pour tordre donc la démocratie, pour participer à des élections. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un CNT qui pourrait peut-être nous permettre d'avoir la personne que nous cherchons, celle qui va diriger le pays. Mais si ce sont des gens qui ont déjà dit que oui, le président qui est là peut aller au-delà de ces deux mandats pour avoir un autre mandat, ces personnes-là se disqualifient d'elles-mêmes. Moi, je pense que c'est pas à le dire. Bien, allez-y. Allez-y, Daouda. Moi, ce n'est pas qui vient, qui ne vient pas, combien viennent, de quelle structure. Mais il faut bien que ceux qui viennent soit à même de travailler dans le sens de satisfaire la population. Parce qu'il y en a, par exemple, qui ont soutenu... Peu importe l'enquête de moralité, on s'en fout. Non, l'enquête de moralité, mais oui. C'est important, parce que... L'enquête de moralité, oui. Mais que quelqu'un ne s'approprie pas tout à l'heure le combat pour dire que... Il faut sortir alors, de ça. Alors, si on doit parler du troisième mandat pour aller vers la mise en place du CNT, alors que toutes les autres plateformes de la société civile se retirent et qu'on laisse le FNDC. Lorsqu'on doit parler du FNDC et de CNOX, ce ne sont pas deux éléments comparatifs. Le CNOX, on sait que la Constitution, elle est faite depuis. Les grandes gueules. Le FNDC, c'est un magma de société civile, de politique, de syndicats qui sont retrouvés là. Merci. Donc on ne peut pas mettre les deux sur la même balance pour dire que non, parce que c'est pas les mêmes compositions. Ce sont pas les mêmes compositions. Merci. Le FNDC, c'est un magma, c'est un regroupement de tout. Mais le CNOS, par exemple, c'est une entité de la société civile. Allez-y, t'as alors, clos, s'il alors, te plaît. Je veux rappeler que le FNDC a une structure qui est totalement civile. Pour des luttes qui seront politiques, le FNDC a prévu, non pas dans sa structure personnelle, c'est une structure ad hoc, un comité politique. Ça, c'est la nouvelle réforme pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qui existe au sein du FNDC. Première chose. Deuxième chose, quand on parle de société civile, souvent la définition la plus simple, c'est de dire c'est un groupe, c'est des groupes, enfin un groupe d'hommes, de personnes sans couleur, qui s'acceptent autour d'une ambition précise. Ça peut être, par exemple, les droits humains, ça peut être l'agriculture, ça peut être autre chose. Mais c'est vraiment c'est un groupe qui s'est réuni de manière volontaire, sans couleur particulière. Ce n'est pas parce que tu es UFDG ou RPG que tu ne vas pas être membre d'une société civile. Ça, c'est une deuxième chose. Et la dernière chose qui découle de cela, c'est de dire qu'une société civile doit pouvoir être représentative. Moi, je veux pouvoir me retrouver à l'intérieur d'une organisation qui dit, je défends par exemple la cause des journalistes, oui, je me retrouve à l'intérieur. Et en fait, de ce point de vue-là, nous sommes tous de la société civile. Mais, encore une fois, imaginez qu'on aille à désigner un représentant ou des représentants de la société civile, et puis il n'y ait pas un membre du FNDC dedans, dans le cadre de ce combat. On peut sortir le principe d'existence juridique. Ça n'a pas d'existence juridique. On peut aller dans ça. La PECUDE, le balai citoyen, je t'avais écouté. Aujourd'hui, on peut aller dans le débat qui dit il faut une existence juridique. Le CNRD existe où juridiquement? Bien. À part sur la charte, première chose. Et la charte, c'est pas non plus, c'est un document d'exception, il faut bien s'entendre là-dessus. Au-delà de cela, les forces vives, Jacques a évoqué cela en 2007-2008. Les forces vives existaient où juridiquement? Bien. C'est pas eux qui nous ont conduits là. Maintenant, je termine la mine en disant qu'il faut quand même faire attention et avoir honte à un certain moment. Est-ce qu'on peut avoir, on peut imaginer un CNT sans le FNDC? D'ailleurs, moi je vais plus loin, comme Antoine a ouvert le bal. Moi, tu me demandes, je te dis, le président du CNT, il s'en a qu'à être Fonike Mangue, en raison des vertus qu'il incarne. Bien. C'est ce que j'allais dire. Allez, vous êtes chez les GG, on passe à cette partie enquête. Les Grandes Gueules. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ.
Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Avec cette enquête exclusive, évidemment, de MMS Moussa Moïse Sila, soupçon de détournement donc à la MAMRI. Vous nous apprenez ce matin, Moussa. Oui, la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, en abrégé MAMRI, considérée comme étant un accélérateur de réforme, qui a donné donc, qui était rattaché à la primature à l'époque, vous vous rappelez, et qui se donnait pour objectif de mobiliser les ressources internes et leur utilisation efficace en vue du financement d'un développement durable inclusif. Donc ça a donné naissance à beaucoup d'organes que vous connaissez, la NIES, ainsi de suite, le FODEL, l'ANAFIC. Eh bien, il s'est passé des choses dernièrement qui ont attiré mon attention autour de cette structure qui était rattachée à la primature. Ouais. Autour du conseil spécial, le coordinateur de la MAMRI, qui s'appelle donc Ansoumane Camara, qui travaillait pour le Trésor français depuis des années, et qui est donc venu en Guinée parce qu'il a été démarché par Dr Kassori Fofana. Première tentative pour qu'il vienne travailler, qu'il quitte le Trésor français pour venir travailler en Guinée. La première tentative a été faite par le président Alpha Condé à l'époque. Le jeune avait décliné l'offre. Mais il a accepté la main tendue de Dr Kassori Fofana. Alors, il s'est passé quelque chose. Cette structure a fait face à deux offensives néfastes qui l'ont plombé complètement. La première attaque, elle est externe. Elle est venue d'abord d'une petite histoire que je vais vous raconter rapidement. Monsieur Laurent Sabatier, qui est un expert français, qui travaillait au compte de la MAMRI, qui a été engagé là par Expertise France, avec bien entendu le soutien de l'Agence française pour le développement, l'AFD. Il a été contraint, cet expert français donc qui aidait la MAMRI, il a été contraint de partir. Il a été au fait chassé le 5 mars 2021 parce que tout simplement, il y avait une sorte d'incompatibilité d'humeur. C'est pas la Guinée qui a mis fin à son contrat. C'est-à-dire que c'est... Attendez que je rentre dans les détails. Alors, le vendredi 5 février 2021, il y a eu une conférence téléphonique entre Ansoumane Camara, même s'il est très frileux, il ne souhaite pas donner d'amples informations sur certaines choses, mais pour son information, j'ai pu avoir accès aux documents. Alors, Ansoumane Camara, le coordinateur, et Aïssata Camara, l'AFD, notamment représenté par Magali Kretman, Safia Ibrahim Netter et Espèces France avec Isabelle Valo et Francis. Et bien, il y a eu une conférence téléphonique entre tous ces membres-là, c'est-à-dire la Guinée, les experts français qui appuient la MAMRI et autres. Au sujet de quoi? Au sujet de M. Laurent Sabatier, l'expert français. Alors, la conférence de presse a été très claire. Le monsieur devait travailler au compte de la MAMRI jusqu'en janvier, précisément le 31 janvier 2021. Il avait un contrat d'un an avec la MAMRI. La directrice adjointe locale de l'AFD, Mme Safia Ibrahim Netter, a dit clairement, et s'est consignée dans un document, dit clairement à la partie guinéenne, donc à la Guinée, qu'il fallait mettre fin plus tôt au contrat de M. Laurent Sabatier. Il fallait trouver... Les raisons n'ont pas été expliquées parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur. Donc il fallait trouver une solution humaine à cette histoire, donc mettre le monsieur à la porte. Et ça a été rajouté, puisque c'est consigné dans un document, que si cela n'était pas fait, elle serait contrainte de bloquer tous les financements qui étaient donc déjà prêts à être débloqués pour la Guinée, donc pour la MAMRI. Donc c'est une pression qui est venue de l'extérieur et qu'elle a mentionné qu'elle irait également faire savoir cela au président de la République. Donc c'est une pression qui est venue donc de l'extérieur. De l'AFD? De l'AFD. Donc elle dit qu'elle serait amenée à informer le président de la République qu'elle n'instruirait pas le projet de financement, tout en rappelant la nécessité d'une solution humaine à cette histoire. Donc la pression a été mise et M. Sabatier a été viré à la porte. Il a pris son sac et il est parti. Ouais. Alors,
Ce qui s'est passé, c'est que... Non mais, les attendez, ce qui m'étonne, c'est que la Guinée quand même est un pays souverain. C'est le président qui a dit qu'il a coupé le cordon ombilical. Oui, qu'il fallait le couper. Ben ouais. Mais c'est quand même une agence, c'est pas le gouvernement français. C'est quand même un élément d'une agence locale qui ose quand même décider de la suite à donner à un travail qui a été durement établi entre la Guinée et l'Expertise France. C'est extraordinaire pour un contrat qui a été fait. Et pour qui concerne un monsieur qui a travaillé, Laurent Sabatier, qui a produit des résultats acceptés de la Guinée. C'est-à-dire que le manquement aurait pu être décelé par la Guinée pour dire, mais l'espèce que vous nous avez envoyé, il n'a pas du tout toutes les capacités pour remplir sa mission. Mais que vous décidiez, alors qu'il remplit valablement sa mission, de le chasser et à la clé de menacer. Que si vous ne le faites pas, nous bloquons tout le financement. Alors, ça a été fait. Et puis, le président a aussi reçu un deuxième rapport. Ça, c'est la deuxième offensive qui a complètement mis la Mamrie à terre. Il a reçu un rapport qui a été rédigé par quelqu'un qui lorgnait donc le poste de coordinateur de la Mamrie. Rapport dans lequel il a été fait mention que la Mamrie donc, a détourné 15 milliards de francs guinéens. Donc, disons 100 milliards de francs guinéens plutôt. Donc, 1,5 million d'euros. Bon, 15 millions d'euros. Voilà, c'est ce qui a été dit. Alors, le rapport a été fait, envoyé au président de la République. Un décret a été pris le 25 février 2021 pour rattacher, enlever complètement la Mamrie du giron de la primature pour la rattacher à la présidence de la République. Donc, le coordinateur a été mis de côté. Des agents des forces de défense ont scellé donc, les lieux. Des membres de l'inspection générale d'État ont été dépêchés sur place pour faire un audit. L'audit a été fait, le rapport a conclu qu'il n'y a pas... Ouais, on reviendra pour la conclusion du rapport à 11h. L'année dernière, les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Le cache-cache Radio-Espace Guinée. C'est le nouveau jeu de Radio-Espace. Tous les jours à 7h18 et 16h40. Jusqu'à 14 millions de francs guinéens à remporter, comme la saison 14. Merci beaucoup, super. Vous voulez jouer? Envoyez maintenant cash par SMS au 8037. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guirassy, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vive
vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Les dimanches, 18h30, 20h, l'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. La pédagogie, les faits, rien que les faits, avec des journalistes, des hommes politiques et de la société civile. Le débat d'idées, même celles qui fâchent. Avec nos invités, vous allez vous faire votre opinion. Le club de l'actualité, tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout. Lamine Guirassy, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guirassy, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Les réactions à Conakry, recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Coréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios.
Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Hey. Groove Station Hip Hop. Groove Station Oussain Kaba. Tous les week-ends, c'est Hip Hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour, Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. La prolongation. Vous rejoindrez dans la troisième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, avec notre invité qui nous a rejoint dans ce studio dans un instant. On en reparle évidemment dans cette émission, les Grandes Gueules. Je le disais tantôt, depuis quelques années, la tension donc brûle entre lui et Cellcom Guinée. Et ça, Aladi Sidibé, plus connu comme Lai Wasaba, a participé donc comme consultant à l'installation de la société de téléphonie en Guinée. C'est là en vertu d'un protocole signé d'accord par
parti avec la société, eh bien, logo rouge. Leur entente donc a volé un éclat plus tard quand il a fallu payer ses parts à monsieur Sidibé, 300%, dont le feuilleton perdure évidemment devant les tribunaux du pays. Quelle est la vérité dans cette affaire? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission avec Maître Tal, vous le voyez à l'écran, avocat de Cellcom Guinée. Et ça, dans un instant, il va s'inscrire évidemment sur cette antenne. Nous poursuivons notre enquête avec vous, MMS Moussa Moïsila. Voilà, donc je rappelais que l'inspection générale est passée là parce que un rapport a été adressé au président de la République attestant que au niveau de la mamerie, il y aurait eu un détournement de 10 millions de dollars. Donc, placé dans un compte à l'étranger et qui devait servir donc à préparer la campagne électorale de Doncas, qui préparait donc la Pral Fakonde. Donc, l'IGE passe, fait un rapport pour confirmer qu'il n'y avait rien. Donc, pour soutenir qu'il n'y avait absolument rien. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que la mamerie, dans son premier exercice budgétaire, a fini l'année donc avec un excédent de 85 millions de francs guinéens. Parce que dans l'administration, c'est quand même rare que vous ayez une gestion budgétaire à faire et que vous puissiez finir l'année avec un excédent que vous retournez donc au trésor public. C'était assez rare. La passation de service aura lieu entre le coordinateur sortant et le nouveau, vous savez, qui c'est l'ancien ministre du budget Doumbouya qui était donc le nouveau Mohamed Doumbouya à ce poste-là. Oui. Alors, dans la passation de service, il a été noté que dans le compte de la mamerie, il y avait un solde créditeur de 13,1 milliards de francs guinéens sur une dotation, parce que la mamerie a une dotation de 15 milliards de francs guinéens. Donc, après donc, un fonctionnement d'au moins 4 mois, il y avait dans les comptes de la mamerie un solde créditeur de 13,1 milliards de francs guinéens sur 15 milliards qui leur ont été alloués. Donc le rapport a été fait, signé par le président sortant et entrant. Il a été noté également dans la passation que le coordinateur sortant de la mamerie n'avait ni salaire pour la fonction qu'il avait à la tête de la mamerie. Il n'avait pas également de carburant. Donc, il avait décidé de ne pas toucher donc un centime pour donc son salaire et le carburant, afin de contribuer d'abord à redresser cet organe important. Donc cela a été consigné dans la note de passation de service. Alors, Doumbouya donc prend fonction, et ce qui attire mon attention, c'est que dans les comptes de la mamerie, alors que sur un exercice de 4 mois, on a laissé un montant de 13,1 milliards de francs guinéens, eux, sur une période d'à peu près 6 mois, il y a déjà des milliards qui ont disparu. Il ne resterait que 8 milliards de francs guinéens sur les comptes de la mamerie. 8 milliards de francs guinéens pour un exercice de 6 mois à peu près. 13,1 milliards de francs guinéens étaient restés sur un exercice de 4 mois. Donc, c'est possible qu'on puisse utiliser, qu'il ne puisse rester que 8 milliards si, bien entendu, il y a eu des réformes, il y a eu des programmes qui ont été exécutés et si les prestataires ont été payés. Mais je me suis informé auprès de certains d'entre eux, les prestataires, les plus grands prestataires n'ont pas été payés, notamment Avas qui n'a pas été payé. Donc il n'y a pas eu de programme dans ce sens-là. Alors comment on a pu passer de 13,1 milliards de francs guinéens qui étaient dans les comptes de la mamerie à 8 milliards qui sont aujourd'hui sur les comptes de la mamerie? Le reste est parti où? D'accord. C'est la question que je me pose, et cette question est légitime. J'aimerais par ce déballage attirer M. Doumbouya, Mohamed Lamine, dans notre studio. Certainement qu'il a des éléments probants qui peuvent expliquer comment ils ont utilisé le reste de l'argent. C'est pas 100 millions de francs guinéens. On parle de milliards. L'ancien ministre du budget. Vous inquiétez pas. Beaucoup de Doumbouya sortent de l'ombre maintenant parce que Mamadi est là. Mais je parle de l'ancien ministre du budget. Mesdames Doumbouya. Donc de 13,1 milliards, comment on est passé à 8 milliards? Pourquoi les prestataires, les plus grands prestataires n'ont pas été payés? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette question, elle est importante. Parce que nous sommes dans une période d'exception. Il y a une transition qui est en train d'être déroulée. C'est le moment de faire les comptes. C'est pourquoi ce matin, j'insistais sur les audits. Ensuite, ces rapports fallacieux qu'on fait souvent au président de la République, notamment sur la mamerie, ont contribué à faire disparaître,
parce que a empêché le financement de 9 millions d'euros qui étaient déjà calés par le Trésor français pour financer la Mamri, et également plus d'une centaine de millions de dollars qui étaient également conclus avec les Émiratis. Voilà un peu comment est-ce que notre administration était gérée par les humeurs, par des rapports et qui ne sont pas du tout vérifiés par le chef de l'État lui-même, qui décidait donc d'obéir aux injonctions, par exemple, d'une simple représentante locale de l'AFD. Donc cette question demeure sur ce qui a été fait du reste de l'argent. Comment est-on passé de 13,1 milliards à 8 milliards de francs guinéens alors que des programmes n'ont pas été exécutés? Justement, Mme Doumbouya, forcément, qui nous écoute hein, en ce moment, droit de reprendre. Le débat est lancé, évidemment. On en vient à cet autre sujet, mon cher Tamba. Avec nous, dans ce studio, notre invité, évidemment, qui nous a rejoint, c'est bien sûr Maître Tal. On évoque la semaine, cette semaine, hein, c'est bien cela, dans notre émission, Celcom Guinée, c'est bien cela. Allez-y, mon cher Tamba. Évoqué la semaine dernière, pour ceux qui nous ont suivis, un accord de service de consultance qui a été signé le 1er septembre 2006 entre la société, et on en riait ici dans ce studio, c'était bien Celcom Enterprises Limited et BVI et Aladji. Aladji Sidibé, que l'on connaît bien sous l'appellation Wasaba Sport. Et donc, l'entreprise, une des entreprises mères, on va l'appeler comme ça et l'avocat nous en dira un peu plus, 3% donc de part sur le capital. Et donc cet accord a été signé ici, c'est que M. Sidibé a porté plainte contre la société Celcom Guinée SA auprès de nos tribunaux. Ça fait plusieurs moments déjà que ça dure, que ce procès dure. Par moment, il remporte une victoire. Ensuite, l'exécution est suspendue jusqu'au moment où on est en train d'en parler.
différente également de Sercom Télécom. On va en parler justement avec l'avocat qui souhaite réagir à cette situation, vu qu'il nous a écoutés, qu'il souhaite apporter son regard là-dessus. Nous vous disons donc bienvenue, Maître Tal. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Chez le GG. Allez-y. Voilà. Voilà. Vous avez écouté notre émission d'il y a quelques jours, c'était semaine dernière, et vous avez souhaité apporter votre part de vérité, ce qui est, somme toute, votre droit le plus absolu. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a fait réagir ? Bien, je vous remercie, M. Milimono, je vous remercie, M. Guirassy. Je vous remercie pour l'opportunité qui est donnée à ma cliente, d'apporter un droit de réponse par rapport à votre émission du lundi dernier. C'était pas plus tard que lundi, c'était le 27. Ouais. On vous entend pas du tout à l'antenne, hein, monsieur. Voilà. Je pense que c'était le 27. Ouais. Le lundi dernier, c'était le 27. Carte de Cellcom pour échanger. Mm-hmm. On a même donné un lot de documents par rapport à la situation. Et finalement, encore une fois, on ne s'est pas retrouvé, d'où notre présence ici aujourd'hui. Mm-hmm. Bon, cela dit, je pense que par rapport à cette situation, il convient d'abord de camper le contexte. Camper le contexte, c'est un retour nécessaire aux fondamentaux. Mm. Un retour nécessaire aux fondamentaux juridiques en la matière. C'est d'abord par rapport à la notion de personne. La notion de personne juridique, c'est tantôt la personne physique que vous êtes, vous, moi, Tamba ou Moussa, mais aussi une fiction juridique qui a créé les personnes morales. Les personnes morales, c'est les sociétés, les associations, les États, etc., etc. OK. Ici, nous parlons de personnes morales. Ces personnes morales, à l'image des personnes physiques, elles ont un patrimoine, elles ont un nom, elles ont un domicile, elles ont une forme, elles ont une nationalité, etc., etc., un objet social. En la matière, nous avons, au départ de cette affaire, de cette action, Cellcom qui a souhaité créer une entreprise de téléphonie mobile ici en Guinée. Par rapport à ça, la première personne au départ qui était, disons, en face comme interlocutrice principale de Cellcom, c'était Mme Aissata, je pense que son nom de famille est Dramé, quelque chose comme ça, du Libéria. Elle est Aissata, en tout cas, je retiens son prénom. Alors, cette personne, à ce moment-là, s'est mariée à M. Ladi Sidibé. Bon, ils ont divorcé entre-temps, parce que c'est notre histoire, je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Alors, c'est cette personne-là qui était, on va dire, tête de liste par rapport aux démarches et qui a, disons, coopté son époux de l'époque par rapport à cette opération. Mmh. Et à ce niveau, un manuscrit a été rédigé, je ne sais pas trop par qui, mais en tout cas rédigé, dans lequel Ladi Sidibé, il est marqué qu'il pourrait, j'insiste sur le conditionnel. Vous parlez de ce manuscrit-là ? Oui. Je parle de ce manuscrit. Production juste derrière. Oui, mais je peux carrément au niveau départ, parce que Cellcom has agreed to
Je n'ai pas dit que je doute ou pas. Je ne me suis pas prononcé sur l'authenticité. C'est simplement que c'est un manuscrit. Et vous allez embrayer sur ce que vous disiez tantôt, mais c'est important de préciser pour nos auditeurs et nos téléspectateurs que la traduction est l'œuvre d'une structure spécialisée au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est une certification, c'est une traduction certifiée par l'État guinéen. Justement, j'en viens. Ouais. C'est en cela que c'est grave. Et je dirais même que c'est gravissime. Parce qu'une structure comme le ministère des Affaires étrangères, qui a un service du protocole, qui gère des traductions de documents officiels, vous venez, vous payez deux fois, vous payez pour la traduction, vous payez pour la certification de la traduction, tel que ça ressort d'ailleurs du document. Alors, si des problèmes, disons, des incongruités aussi graves ressortent de vos traductions, Et vous avez constaté ça à quel moment? Mais depuis, on a même parlé de ça dans nos conclusions, dans nos écritures devant les juridictions. Mais est-ce que vous ne noyez pas le poisson? Ce que j'ai dit, à partir du moment où il y a eu... Jacques, est-ce qu'il ne noie pas le poisson? Vu qu'on est d'accord que, déjà sur la base de la traduction que vous-même vous avez faite de ce premier document, on voit qu'il y a un décalage. Mais à ce moment, vous qui êtes juriste, vous allez nous éclairer là-dessus, à quel document est-ce qu'on se fie? À l'original ou à la traduction? Évidemment que c'est l'original, puisque c'est l'original qui est traduit. Mmh. On ne peut pas partir de la traduction pour juger l'original. Mmh. C'est la copie que l'on apprécie à partir de l'original. La démarche est simple. Bon, maintenant, pour continuer par rapport à ma lancée, parce que même quand vous prenez le terme « île vierge britannique », c'est normalement « British Virgin Islands », au lieu de mettre « île vierge britannique », le traducteur met « île britannique de Virginie. Mm. Alors, est-ce que c'est un problème de compétence ou est-ce que vraiment... Bon, là, en tout cas, je ne m'y retrouve pas. Et quand, là, je peux vous le laisser. Il y a plein de documents du genre. On l'a, c'est tant mieux. Et par rapport à ça, puisque M. Silla, l'autre jour, avait exhibé... Bon, moi, quand j'ai vu un document qui me disait venir du ministère, etc. Oui. J'ai envie qu'on aille au fond du sujet. J'ai envie qu'on aille droit au but. Qu'est-ce qui a été dit lundi qui vous a offusqué dans le cas où vous ne trouvez pas? J'en viens, c'est pour ça que j'ai commencé. Qu'est-ce qui a été dit qui n'est pas vrai? Laissez-moi le dire. Ça fait 10 minutes qu'on tourne autour du pot. On ne tourne pas autour du pot. J'ai commencé par dire que l'introduction est importante. Les grandes gueules. Attendez. Il y a combien de temps? Allez-y, monsieur. Allez-y. Alors, laissez-moi aller sur ma démarche. Allez-y. OK. Bon, bien. Alors, je disais tantôt. La dernière fois, M. Silla avait exhibé un document en disant que c'est la liste des actionnaires selon le ministre, si j'ai bonne mémoire. Bon, je n'ai pas bien vu le document parce que c'était exhibé comme ça. Si la régie est prête, le document que je vous ai fait parvenir ce matin, il faudra pouvoir l'afficher. De toute façon, nous l'avons aussi sous la main. Voilà. OK. Allez-y. Donc, la question, c'était est-ce qu'il s'agit de ce document-là? C'est la question que je voulais poser. Ou est-ce qu'il s'agit d'un autre document? Et toujours est-il que, pour revenir à mon propos... Alors, je peux lire le document, si vous le permettez, la table. C'est le ministère des Procédures et de communication de l'économie numérique, document 0088. Donc, en date de 30 mars 2021, si je ne me trompe pas, parce que ça ne sort pas bien ici, le ministre donc a écrit, le ministre à l'époque, Moustapha Mami Diaby, a écrit à M. Aladji Sidibé, opérateur économique demeurant au quartier Nango. Il dit, l'objet c'est réponse à votre lettre du 10 mars 2020. Donc c'était en 2020. Donc. Il dit, monsieur, j'accuse réception de votre courrier cité ci-dessus et vous en remercie. Par courrier en date du 3 juin 2019, ayant pour objet, structure d'actionnariat, le directeur général de Celcom Guinée nous informait le ministère des Télécommunications de ce qui suit. Celcom Guinée est détenue à 100% par Celcom Entreprise BVI, société ayant son siège social aux îles Vierges Britanniques. Celcom Entreprise est composée de Celcom Limited à 87%, détenue aussi par M. Almami Ismaël Bangoura à 10%, M. Aladji Sidibé à 3%. Je vous prie de croire à notre esprit de collaboration. Donc, ce document, je pense que c'est pour ma part, c'était assez clair. Les grands ministres de télécommunications.
pour démontrer quand même que Aladji Sidibé n'est pas quand même étranger. C'est pas quand même quelqu'un qui est tombé du ciel concernant bien entendu l'existence de Celcom. Voilà, c'est ce document que j'ai exhibé. Bon, ok, je vous remercie. Et je suis même très aise de voir ce document parce que ce document dit 100% par Celcom Enterprises BVI. C'est clair, c'est pas Celcom Guinée, Celcom Enterprises. Et c'est pour ça que j'ai commencé dans mon introduction à faire la distinction entre les personnes juridiques. Si l'ami Guérassi me doit de l'argent, je ne vais pas rencontrer Tamba à Kokorobani, le prendre au collet pour lui dire remboursement. Les grandes gueules. Guérassi me doit. Hein? Donc c'est des entités juridiques. C'est quand même du B.A.B.A. Il faudrait quand qu'on revienne sur ces fondamentaux. En fait, ce qui me c'est aussi toute la légitimité de la question de Antoine. C'est pourquoi vous êtes venu ce matin, parce que ça a été largement dit. Je crois que je l'ai suffisamment souligné, la personnalité juridique. Mais il y a un problème. Celle de la démarche de l'AICDB. Celcom Guinée SA, d'après les informations que nous avons pu obtenir, il y avait eu pas mal de tentatives de revente. Pourquoi vous êtes venu ce matin ? Parce que ça a été largement dit. Je crois que je l'ai suffisamment souligné, la personnalité juridique. Mais il y a un problème. Celle de la démarche de l'AICDB. Celcom Guinée SA, d'après les informations que nous avons pu obtenir, il y avait eu pas mal de tentatives de revente de cette entreprise en Guinée. Est-ce que vous ne comprenez pas que l'AICDB se dise le seul lien entre moi et Celcom Enterprises, c'est Celcom Guinée? Monsieur Milimono, j'essaie d'évoluer dans une démarche. C'est des points sur lesquels je vais venir. Ne vous en faites pas. J'ai relevé tout ce qui me semblait être... Ici aussi, on a la démarche. Si Celcom Enterprises revend Celcom Guinée, le monsieur se dit, mais mon argent, on va me le payer comment? Vous avez posé une question, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. À la fin, peut-être, vous pourrez reformuler la question si c'est nécessaire. Je disais ceci, non seulement parce qu'il n'est pas actionnaire de Celcom Guinée, il ne peut pas empêcher une vente éventuelle, si c'est le cas, de Celcom Guinée, et ça, hein? Et deuxièmement, même si l'on considère par extraordinaire qu'il fût actionnaire de Celcom Guinée SA, avec une part de capital des actions, disons, de 3%, on ne peut pas empêcher celui qui a 97% de faire, pour procéder à une vente. S'il n'a pas été réglé, c'est possible, oui. Vous ne pouvez pas payer les dividendes qui reviennent à un actionnaire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'il peut réclamer, c'est le produit de la vente. Au cas où on admettrait évidemment qu'il soit actionnaire, ce qui n'est pas le cas, au cas où il serait, disons, actionnaire, c'est que sur le produit de la vente, il lui revienne sa quote-part à hauteur de 3%. D'accord. Ce qu'il peut faire, il ne peut pas empêcher la vente. Sur le procédé judiciaire, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information? On n'a que 5 minutes. Cette question, il y a un autre élément. Il faut que vous nous clarifiez un peu les choses. Celcom Guinée SA est une entité à part entière, elle a une personnalité juridique différente de Celcom Enterprises, mais aussi de Celcom Telecoms. Absolument. Maintenant, je vous renvoie à cette autre observation. Alors, cet accord de service, il y a un premier accord de service de consultance qui a été élaboré, nous avons toute la documentation, entre Celcom Enterprises et Aladji. Sauf que le signataire de ce document, de cet accord de collaboration, est aussi le même signataire du protocole d'accord entre Celcom Guinée SA et M. Wassaba. Pour les services rendus dans l'installation, dans l'obtention de la licence à Celcom Guinée ici, il a été promis
à M. Wassaba, au terme encore, ça c'est un courrier, cette fois adressé par une autre entité, enfin le responsable d'une autre entité, qui s'appelle Cellcom Telecoms, et son signateur est là, Henoch Dambek. C'est Henoch Dambek qui va dire à M. Wassaba, voici comment on va te payer, et cela a été fait sur les 1 400 000 dollars. Vu qu'on est dans un jeu entre entités, comment vous m'expliquez que ce soit Cellcom Telecom qui paye l'argent, en tout cas le virement et les traces que nous avons, c'est Cellcom Telecom qui paye l'argent pour une convention passée avec Cellcom Enterprises? Ça, c'est la question que je vous pose. Bien. D'abord, par rapport à ça, parce que je m'en ai interrompu, je n'avais pas terminé mon raisonnement, mais je laisse tomber, je reviens vers vous. Par rapport à ça, si Aladji Sidibé a des griefs contre la personne de M. Yoram Cohen, je pense que c'est de lui, à lui que vous faites allusion, mais qu'il s'attaque à M. Yoram Cohen. Yoram Cohen n'est pas un courant d'air. Hein? Il sait où le trouver, il connaît son adresse. Et j'ai entendu la dernière fois certains dire, bon, il est là, c'est plus facile que d'aller attaquer. Mais il n'a pas besoin de se déplacer. C'est pas, je ne suis pas son avocat de toute façon pour le lui dire, mais il y a des avocats qui existent dans le pays où vit Yoram Cohen. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que M. Wassaba a fait, parce que Yoram Cohen est aussi le signataire du protocole d'accord avec Cellcom Guinée-SA. Au même titre qu'il a signé le premier document avec Cellcom Enterprises. Il a fait quoi? C'est lui le signataire non, de la convention. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il ne l'a pas attaqué à l'étranger, c'est vrai. Mais il a engagé toutes ses forces ici. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, il se trompe d'adversaire, tout simplement. Parce que s'il a des griefs contre la personne de M. Yoram Cohen, là où vit M. Yoram Cohen, il y a une foultitude d'avocats. À partir d'ici, il peut constituer un avocat et poursuivre M. Yoram Cohen. Mais vous avez été condamné, maître Tal, parce qu'on n'a plus assez de temps. L'objet pour lequel je suis là ne me permet pas... Non, mais la radio c'est l'heure aussi. Oui, bien sûr, mais si déjà on me déroute de mon chemin, et puis voilà quoi. Bon, donc, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, il se trompe d'adversaire, tout simplement. Parce que s'il a des griefs contre la personne de M. Yoram Cohen, là où vit M. Yoram Cohen, il y a une foultitude d'avocats. À partir d'ici, il peut constituer un avocat et poursuivre M. Yoram Cohen. Mais vous avez été condamné, maître Tal, parce qu'on n'a plus assez de temps. Bon, oui, mais si... Voilà, si vous pouvez... Bon, donc, vous parlez de condamnation. J'anticipe sur la question. Sur ce point, on a vu une fraude fiscale principal, si mes souvenirs sont exacts, et 2% pour la partie en dommages intérêts. Aladji Sidibé, par des acrobaties, on ne sait trop comment, on est arrivé à 65 millions de dollars. Je voulais même rentrer aussi dans cet aspect, mais bon, puisqu'on me dit que le temps est court. Et pour quelqu'un qui bénéficie d'une condamnation obtenue comme ça, ex nihilo, de 65 millions de dollars, 1% de 65 millions de dollars, ça fait quand même 6 500 000 dollars. 1%, si mes calculs sont bons. Non, c'est 10%. Ça fait 650 000 dollars. 650 000 dollars, ça représente 6 500 000 millions francs guinéens si on prend le cours de 1 dollar pour 10 000 francs aujourd'hui. Nous, quand on a vu le document, on a dit, moi, je ne vois pas ce monsieur-là aller payer 6 milliards et demi aux impôts pour enregistrer cette décision. On a fait partir un huissier qui a constaté effectivement qu'il n'y a pas eu d'enregistrement. C'est des arrangements qui ont été faits. Alors quelqu'un, parce que ça m'amène aussi sur la problématique du nationalisme et tout ça, quelqu'un qui est nationaliste, il faut d'abord aider ton pays. Vous nous envoyez ailleurs. Non, mais parce que le problème a été ailleurs. Ça a été évoqué bien ici. On est sur la problématique, est-ce que Cellcom Enterprises doit les 3% au moins? Est-ce que vous reconnaissez ça? Pour Cellcom Enterprises non, au moins. Je ne suis pas avocat de Cellcom Enterprises, je suis avocat de Cellcom Guinée-SA. Au vu des documents de l'Aladji Sidibé, on pourrait penser qu'il existe ce deal entre lui et Cellcom Enterprises. Et puisque c'est entre lui et Cellcom Enterprises, nous sommes tiers à cette transaction. Bon, je parlais de fraude fiscale, vous ne voulez pas que je termine le sujet. Allez-y. Bon, par rapport à cela, quand vous avez une décision en votre faveur, la loi vous impose de l'enregistrer à 1%. Avant que de la faire grossifier et aller l'exécuter. Alors lui, il essaie d'exécuter quelque chose alors qu'il ne
comment dirais-je, il n'a pas accompli son propre devoir. Bon, on va dire l'État va s'occuper de ça. Ça, c'est autre chose. Voilà, exactement. C'était juste une parenthèse par rapport à ça. Donc, tout ça pour dire que M. Sidi Bé a un sésame qui ouvre beaucoup de portes. Bon, cela dit, sur le point, les points que moi j'avais relevés concernant l'objet de notre présence ici. L'autre fois, vous avez dit ici que Aladji Sidi Bé allait fermer les locaux de CERCOM en exécution, etc. Non. Aladji Sidi Bé a obtenu une ordonnance de façon très rocambolesque. Le temps n'est en cours, je pouvais vous en parler en off. Très rocambolesque, alors encore une fois. Et c'est cette ordonnance, alors même que la Cour suprême avait donné un arrêt de sursis. Il vient pour essayer d'exécuter une saisie, de faire une saisie conservatoire sur les biens. Ce n'était pas pour fermer les locaux. C'était par rapport à une ordonnance de saisie conservatoire obtenue, encore une fois, de façon, en tout cas, on ne peut plus, bizarre. Bon, donc, à la limite, on en parlera en off tout à l'heure si c'est nécessaire. Donc, ça, c'était pour recadrer ce point. Il n'était pas venu pour fermer. Certains ont dit que les comptes sont bloqués. C'est vrai qu'à un moment donné, sur la base de la même ordonnance bizarroïde, il a pu obtenir, on va dire, le blocage des comptes pendant un moment, mais les comptes sont débloqués depuis. Les comptes sont débloqués depuis. Bien. La suite de ce dossier, justement, vous êtes devant la justice. Moussa parlait de condamnation, entre autres. Vous allez interjeter appel. Qu'est-ce qui va se passer, justement, par rapport à cette situation? Parce qu'il faudrait un moment que la ligne bouge, quand même. Oh. L'idéal aurait été même qu'on ait eu ce débat. Vous parlez d'un micro, ouais. L'idéal aurait été d'ailleurs qu'on ait eu ce débat après que les juridictions se soient prononcées. Mais là, on ne connaît pas le. C'est pas le cas. On n'a pas fini. L'affaire sur la Cour suprême. Okay. Elle devait même passer hier, ouais, devant la Cour suprême. Donc c'était ça l'idéal, mais vous ne nous donnez pas le choix, on est obligé de venir réagir. Ben, oui, les journalistes n'attendent pas. On n'a pas le même calendrier que le système merci judiciaire. Merci beaucoup, en tout cas, maître. Bon, mais cela dit. Ouais. Quand c'est venu pour la première affaire devant la Cour suprême a cassé, annulé l'arrêt de la Cour d'appel. Okay. Et maintenant, on est en seconde lecture, on va dire, devant la Cour suprême. Bien. Merci, Maître Tal, en tout cas, d'être passé ce matin chez les juges. On a terminé ce matin. Merci à Amadou Sou, à la réalisation. Grand merci à toutes nos équipes, à Régie, à notre ami Mamoudou Kondé qui a réalisé cette émission. Dans un instant, sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec la playlist et sur Espace TV. Les infos reviennent avec la rédaction, eh ben, 19h45 avec vous. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi, si tout va bien. Au revoir. Votre radio, c'est Radio Espace Guinée, la première radio de Guinée. Ah, la 4e.